Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, okay, on vous entend. Docteur, on vous entend bien. Docteur Jean-Baptiste Yannick Sambou. Il y a aussi le docteur Moustapha Diong aussi qui devait nous. Ok. Donc, en fait, on s'est réunis aujourd'hui pour discuter de vos mémoires parce que vous avez eu à finir tous vos examens. Mais là, peut-être il va rester la session de rattrapage du semestre 3. Mais à part ça, maintenant, l'essentiel du travail qui vous reste se porte essentiellement sur votre mémoire. Donc, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. C'est un travail à prendre au sérieux parce que c'est l'équivalent de votre semestre 4. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous ne sommes pas assez satisfaits des mémoires que nous avons eues. Pour la P1, il y a à peu près 17 mémoires qui ont été validées et soutenues, 16 mémoires même. Pour la P5, il n'y en a pas encore 10. Je vais faire le point tout à l'heure. Et il n'y a que ces 10-là qui vont se tenir. Pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est pour vous montrer que c'est un travail assez sérieux. Et tant que la mémoire n'est pas bonne, vous n'allez pas déposer et vous n'allez pas se tenir. Désolé d'être assez dur sur ce point, mais je dis que tant que la mémoire n'est pas bonne, vous n'allez pas présenter et si vous ne présentez pas, vous n'allez pas soutenir. Le problème qu'on a eu, c'est qu'il y a beaucoup trop de plagiat. Hein? Les étudiants copient des trucs sur le net. Ça, on le sait, nous avons nos moyens pour déceler les plagiat. Autre chose également, on voit des étudiants qui disparaissent jusqu'à ce qu'on dise la date de dépôt est de X. Et maintenant, c'est là qu'ils vont se dépêcher pour faire des choses qui ne respectent ni la forme ni le fond. Donc, c'est pourquoi je dis que nous sommes très, très, très exigeants sur ce point. Il y a le docteur Sambou et le docteur John. Nous sommes très exigeants sur ce point. Donc, le mémoire, c'est l'équivalent du semestre 4. Donc, c'est un travail à prendre pleinement au sérieux. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous aider. Mais ce sera à vous de rédiger vos mémoires. C'est à vous de faire le travail. Nous sommes là uniquement pour vous encadrer, vous donner les pistes et comment faire pour rédiger un mémoire en respectant la forme, parce que la forme compte, en prenant en compte également le fond. Donc, voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Docteur Sambou, docteur Jung, vous voulez prendre la parole? Bonjour, Président. J'espère également que vous me recevez bien. Oui, c'est bon. Voilà, je pense que vous avez résumé ce qu'il fallait dire parce que vous avez appuyé là où on a beaucoup de difficultés avec nos étudiants. C'est juste au niveau de la rédaction du mémoire. Donc, on a constaté en réalité que c'est le point le plus difficile. Pour les étudiants, parce qu'il y a déjà la méthodologie n'est pas maîtrisée. Donc, généralement, les étudiants n'ont pas l'habitude de rédiger donc, ce genre de documents et il est important de les aider, de les prendre en main très tôt, donc pour les amener à connaître les règles, à savoir quelle est la véritable méthodologie pour rédiger un mémoire. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais laisser à Dr. Jung, donc, qui va nous faire une présentation. Et je pense qu'après, le président Dr. Babacar Diagne, va nous donner la suite, voilà, le plan de notre intervention. Merci beaucoup.
Et docteur Dion, vous avez la parole. Docteur Jong, Mustapha. Donc, bon, pour le calvaire de travail aujourd'hui, donc peut-être que Mustapha, en fait, va revenir va présenter la méthodologie. Et donc là, c'est la même méthodologie qu'on utilise un peu partout. Au Sénégal, en France ou ailleurs, nous, c'est à partir de ces méthodologies qu'on a pu faire nos mémoires de master et qu'on a pu faire nos doctorats. Donc là, c'est cette même méthodologie-là. Maintenant, il y a un travail assez sérieux, il y a un petit effort que les étudiants doivent faire pour maîtriser cette méthodologie. Et je rappelle également, en tout cas en sciences et gestion, vous avez déjà eu un cours de méthodologie en semestre 1 ou semestre 2. Pour ceux qui sont en audit de contrôle, finance comptable, ils ont déjà eu un cours de méthodologie. Maintenant, c'est pas grave, on va y revenir rapidement. Après, Docteur Sambo aussi également va revenir sur les mémoires, la méthodologie, la particularité de la méthodologie en sciences économiques. Et après ça, maintenant, on va prendre peut-être quelques sujets. On va vous montrer comment formuler un sujet et comment traiter ce sujet-là. Voilà, bon, ça va, c'est bon. Ok, bon, le docteur Mustapha Diong avait quelques soucis de micro. Donc, Jean-Baptiste, si tu veux prendre la parole et commencer la méthodologie en sciences économiques, si tu veux. Bonjour Président. Voilà. Contrairement à Jong, moi, je n'avais pas préparé un PowerPoint parce que je m'attendais à une rencontre en présentiel au niveau de l'ENA de Dakar. Donc, au fur et à Effectivement. mesure qu'on allait développer certains éléments, j'allais intervenir. Effectivement. Juste un premier point que j'aimerais déjà aborder, c'est le choix du sujet de recherche. Donc, généralement, on souhaiterait, donc je vais faire oralement, j'espère qu'ils m'entendent bien. D'abord, pour parler de recherche, avant de parler de méthode, il faut avoir déjà un sujet. Et pour le sujet de recherche, on préfère qu'il soit inscrit en droite ligne avec la formation, par exemple. C'est-à-dire, vous avez des outils qu'on vous donne lorsque vous faites votre master. Donc, vous avez certaines connaissances que vous avez acquises, bien précises dans certains domaines. Donc, mais de préférence, on aimerait que les sujets viennent, par exemple, des thèmes qui sont abordés dans vos différents cours. Donc, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Mais de préférence, par exemple, si vous êtes en économie de l'environnement, que votre sujet traite un peu de l'environnement, donc économie de l'environnement, généralement, que ce soit changement climatique, gestion des déchets solides ménagers, pollution sonore, voilà, pollution de l'air, etc. Et j'en passe. Donc, juste pour dire que c'est déjà le premier point, mais ça ne vous empêche pas, ça ne vous empêche pas en réalité, de choisir un autre thème.
un autre thème. Mais toutefois, il faut savoir que le choix est très important parce que le choix va déterminer votre carrière. Déjà, le choix du sujet peut déterminer pour certains leur carrière. Parce que le sujet, normalement, un sujet de master peut aboutir à un travail donné. Sur ce point-là, mais également insister, par exemple, sur l'intitulé d'abord. Vous devez avoir un thème de recherche. Par exemple, ce que quelqu'un dit, je veux écrire, par exemple, en économie des déchets ou bien sur la gestion des déchets solides ménagers. Une autre personne dit, moi, je veux écrire sur le contrôle de gestion. Sur le contrôle de gestion. Sur le contrôle de gestion, voici un domaine bien défini. Maintenant, il faut chercher dans ce domaine-là un thème. Un thème de recherche. Un thème de recherche. Par exemple, moi, je dis, par exemple, dans le domaine de l'environnement, je dis, moi, je veux précisément écrire sur, par exemple, la régulation des sachets plastiques. Sur régulation des sachets plastiques. Donc, régulation des sachets plastiques. Un autre, par exemple, en gestion, Babacar peut venir nous, pourra peut-être apporter des exemples, par exemple, en gestion. Mais dans ce sens-là, après, il faut déjà définir un intitulé qui doit indiquer l'essentiel, par exemple, l'objet du travail en peu de mots bien choisis. Il ne doit pas être long. Un sujet trop long, non, généralement, il ne doit pas être long. Donc, en peu de mots, il doit indiquer l'essentiel et l'objet du travail. Déjà. Et dans ce sens, pour le choix du sujet, premier élément, parce que certains ne savent pas, il faut d'abord discuter des fois avec un enseignant. Avec un enseignant, par exemple, vous pouvez vous approcher du responsable de formation, ou bien par exemple, vous avez un autre enseignant que vous connaissez qui écrit dans un domaine, vous le sollicitez, s'il est d'accord, vous discutez également, vous revenez avec votre responsable de formation. Afin de pouvoir définir ou bien délimiter un sujet réellement. Et vous devez le faire avec un enseignant de formation et il faut s'y prendre tôt. Il faut s'y prendre tôt. Après avoir défini un sujet, donc si Jong est là, il peut m'arrêter, hein. C'est juste que je parle de façon générale, je reviens petit à petit. Si Docteur Jong est là, il peut m'arrêter pour continuer sa présentation. Parce que moi, je fais ça oralement. Donc, après avoir défini un sujet, il y a ce qu'on appelle l'assemblage des inputs. Assemblage des inputs. Il y a un travail exploratoire qui doit être fait. C'est-à-dire, vous avez un thème de recherche. Vous avez des mots-clés, un thème de recherche. Par exemple, dans le contrôle de gestion. Vous dites, mais par exemple, contrôle de gestion, par exemple, dans une société donnée, moi, je dis en économie, je peux dire, par exemple, je donne l'exemple, hein, la pollution automobile. Je me dis, par exemple, dans la pollution automobile, je dois faire un travail exploratoire de la littérature d'abord. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit dans le sens où, lorsque vous faites un mémoire, d'abord, la première chose, vous avez ce qu'on appelle, vous avez tous entendu parler de ça, de la problématique de recherche. Problématique de recherche, c'est-à-dire que vous avez un problème donné qui n'a pas de solution. Parce que si vous indiquez un problème qui a des solutions, un problème qui a déjà des solutions, donc il n'y a pas intérêt de faire de la recherche. Par exemple, un problème pour avoir une solution dans un contexte donné, mais peut ne pas s'appliquer dans votre contexte d'étude. Ça veut dire que la solution qui a été adoptée, par exemple, au niveau du Mali, n'est pas, cette solution n'est pas adaptable au Sénégal. Et vous dites que je vais engager de la recherche pour apporter une solution spécifique au problème sénégalais, parce que la solution qui a été. C'est juste pour vous dire que vous démarrez à partir d'un problème de recherche. Et là, pour savoir en réalité si votre problème de recherche est pertinent, je reviens. Donc, vous allez passer faire un travail exploratoire de la littérature, des références bibliographiques, qu'ils soient théoriques ou empiriques. Donc, pour vous dire en réalité que la recherche se nourrit de ce qu'on appelle la recherche se nourrit de la recherche. Donc, vous ne pouvez pas d'abord écrire un mémoire sans pour autant lire. Donc, Docteur Dion, est-ce que vous êtes disponible? Je peux continuer. Non, j'envoie des. Tu peux continuer parce que lui, en fait, il a un petit souci de micro que voilà que l'administrateur va essayer de régler rapidement. Ah, d'accord, ok. Donc, et vous voyez, donc, il y a son diapo même qui est en train de se. Voilà, déroule là. Je vois qu'il y a,
Par exemple, le choix du sujet, effectivement, le choix du sujet, j'ai déjà parlé de ça. Il y a ce qu'on appelle la spécification de la problématique. Donc, j'étais sur ce point-là. Spécification de la problématique, j'ai parlé de problématiques, par exemple, de pollution automobile, ou bien je parle dans le sens de l'économie, ou bien régulation des sachets plastiques. Il y a un problème donné. Mais, pour dire que c'est un véritable problème qui n'a pas de solution, il faut faire des investigations. Il faut faire des investigations. Ces investigations-là, vous devez le faire sur le net. Vous devez également le faire, par exemple, si vous devez le faire dans une zone donnée, vous devez vous déplacer, par exemple, pour vous documenter. Par exemple, si vous faites des recherches sur certains éléments, vous pouvez vous dire, par exemple, au niveau de l'environnement, je vais au ministère de l'Environnement pour voir ce qu'ils ont, ou bien je vais dans le site, etc. Donc, ça, c'est une recherche pour voir le contexte général par rapport à notre problématique de recherche. Quel est le contexte au Sénégal? Qu'est-ce qui se fait au Sénégal? Vous devez savoir qu'est-ce qui se fait au Sénégal, par exemple. Si vous êtes dans un domaine bien donné, dans la pollution automobile, par exemple, vous dites qu'est-ce qui se fait au Sénégal? Quelles sont les lois? Quels sont les textes de loi qui sont au Sénégal? Donc, vous voyez ça, vous dites que voici telle faille. Et vous interrogez à côté la littérature, parce que quand on parle de problématique, il faut voir si ce problème-là, je l'ai dit, je le répète, si ce problème-là n'a pas été résolu. N'a pas été résolu. Ça veut dire, est-ce que ce problème-là n'a pas de solution? Donc, pour pouvoir dire que ce problème n'a pas de solution, je vais vous montrer pourquoi c'est important. Ce problème n'a pas de solution. Il faut d'abord, je reviens, c'est une répétition, elle est pédagogique. Donc, interroger la littérature, les références bibliographiques. Donc là, je vais accentuer, je vais accentuer mon intervention surtout sur ce point-là. Parce que quand vous ne lisez pas, vous aurez des difficultés à écrire. Ou bien, vous allez écrire, vous allez faire ce qu'on appelle généralement du plagiat. Du plagiat. C'est-à-dire, vous allez voir le travail d'un autre, vous allez copier des parties, venir les coller. Et sur ce point-là, je pense que le président de notre cellule, docteur Babacar Diagne, l'a bien souligné tout à l'heure. Le plagiat n'est pas accepté. N'est pas accepté. Donc, pour une première, donc j'aimerais qu'on soit clair sur ce point-là. Si vous ne lisez pas, si vous ne lisez pas, ne prenez pas note, parce qu'il ne faut pas lire tout simplement comme ça. Je pense qu'après, on va voir si on pourra harmoniser sur, par exemple, une fiche de lecture, parce que généralement, moi, avec les étudiants avec qui je travaille, je leur donne une fiche de lecture. Une fiche de lecture qui leur permet de récapituler. Quand vous lisez, vous prenez des notes. Et dans cette fiche, quand vous prenez les notes, ça vous permet. Si vous restez un mois, 2 mois, peut-être vous avez oublié ce que vous avez lu sur ce papier-là. Vous avez besoin encore de ce papier-là. Le résumé que vous aviez fait sur le travail que vous avez lu va vous permettre ça va vous permettre de gagner du temps sur ce papier. Donc, de se rappeler de ce que vous aviez lu sur ce travail-là. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la recherche scientifique se nourrit de la recherche. Et maintenant, quand on parle de problématique, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème et vous devez apporter une solution à ce problème-là. Une solution à ce problème. Je dis bien une solution. Parce que quand on dit un chercheur, normalement, ce qu'on appelle, il doit amener peut-être une approche nouvelle d'analyse qui va nous éclairer mieux sur un point donné. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et normalement, le travail de recherche doit nous éclairer, doit apporter une lumière sur un certain point dans un domaine bien déterminé. C'est là où se trouve la difficulté. Donc, maintenant, à quoi ça sert cette revue de la littérature que j'étais en train d'exposer là? Donc, après lecture des contributions scientifiques dans le domaine, le chercheur doit avoir une idée plus précise de ce qu'il veut faire. En réalité, ce qu'il veut faire et en quoi c'est intéressant. En quoi c'est intéressant, ce qu'il veut faire et en quoi ce qu'il veut faire est intéressant. Et là, vous allez voir que vous allez maintenant voir la pertinence, par exemple, de votre sujet. La pertinence de votre sujet. Et avant d'aller vers la pertinence, tout travail de recherche a un objectif bien donné. Un objectif. Par exemple, je veux dire que je veux améliorer la qualité
de la régulation de l'air au sein de la régulation de la pollution automobile au Sénégal. Je veux améliorer la qualité de la régulation. Bien, par exemple, je veux améliorer la rentabilité d'une certaine entreprise. Par rapport à mon travail, je veux améliorer la rentabilité d'une certaine entreprise. C'est un objectif très clair. Et juste là, je vous dis, dans un travail de recherche, il ne faut pas avoir deux objectifs. Donc là, pourquoi je le dis? Si vous avez deux objectifs, vous avez deux travaux de recherche. Il faut avoir un unique objectif général qui doit être clair et précis. Ça veut dire que moi, je veux aller là, je veux faire ça, je veux aller de Dakar vers Mbour. C'est ça mon objectif. Donc, pas dire que je veux aller à Mbour, je veux aller également à Thiès. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire que vous avez un objectif clair. S'il est bien défini, ça va vous permettre de savoir ce que vous devez faire, ce que vous voulez, où vous voulez aller. Je pars d'un tel point A vers un point B. Et comme je vous l'ai dit, pour vous aider par rapport à ça, dès à présent, je pense que vous avez, comme le docteur Babacar l'a dit, vous aviez déjà un cours de méthodologie. Pour les économistes, normalement, il n'y avait pas un cours de méthode, mais je faisais des interventions pour les promotions précédentes. Donc, j'attends un cours de méthodologie de recherche pour la P3 et la P4. Et je pense que moi-même, je fais des interventions également, donc en ligne avec les étudiants. Et cette année également, je vais, si je reçois le cours, parce que normalement, il doit être prêt actuellement, je vais démarrer. Je vais demander à l'enseignant, plutôt à l'enseignant d'intervenir, mais moi je vais faire également des interventions supplémentaires là-dessus pour aider les étudiants à mieux à maîtriser ce qu'on leur demande, c'est-à-dire à connaître qu'est-ce qu'on leur demande en réalité. Donc, Diong, si vous pouvez vous mettre la présentation, je peux continuer, hein. Sinon, Babacar, si tu veux revenir sur la problématique avant de passer à autre chose. D'accord. Donc, comme l'a si bien dit le docteur Jean-Baptiste, en fait, le premier point, c'est d'abord le choix de votre sujet. Ceux qui veulent travailler en économie, vous allez vous dire que je préfère travailler dans tel axe. C'est à partir de là maintenant que vous allez pouvoir choisir un sujet. Par exemple, ceux qui sont en finance, comptabilité, vous allez vous dire, je veux écrire un sujet en finance. Ou bien je peux écrire un sujet en fiscalité, en comptabilité, ou voire même en fiscalité. Pour ceux qui sont en audit de contrôle, je veux écrire un sujet en audit, ou bien je veux écrire sur le contrôle de gestion. Donc déjà, vous avez choisi votre domaine. C'est à partir de là maintenant que vous allez pouvoir choisir un sujet. Par exemple, comme quel type de sujet, par exemple, pour en contrôle de gestion. Par exemple, contrôle de gestion, on peut dire. Contribution du contrôle de gestion à l'évaluation ou bien à la maîtrise de la performance financière ou comptable. Deux points, cas de l'entreprise, cas de la Sonatel, par exemple. Je reprends. Contribution du contrôle de gestion à la maîtrise ou bien à l'évaluation de la performance financière ou commercial, etc. Donc, c'est un type de performance que vous allez choisir. Donc, contribution de la du contrôle de gestion à l'évaluation de la performance financière, cas de la Sonatel. Donc, là, c'est un sujet typique hein, en contrôle de gestion. Ou bien, en audit, on peut choisir un sujet sur les apports de l'audit interne dans une logique de maîtrise des risques, cas de la BCIS, par exemple. Oui, donc c'est le genre de sujet que vous aurez alors à choisir dans un domaine bien précis. Et pour ce faire également, on n'invente absolument rien, hein. Vous pouvez, par exemple, aller sur le net, faire très simple, vous pouvez taper des sujets de mémoire, hein, en audit, en fiscalité, en comptabilité, en économie, etc. Et à partir de là, maintenant, vous aurez une liste de sujets. Et à partir de là, vous pourrez reformuler des sujets, voire combiner deux à trois sujets. Comme je dis, ce ne sera pas à nous
de vous proposer des sujets. C'est à vous de nous proposer quelque chose que nous, on pourra reformuler et valider. Que ce soit très clair dès maintenant. Ce n'est pas à nous de vous proposer des sujets, c'est à vous de nous proposer le sujet sur lequel vous voulez travailler. C'est ça. Donc, vous choisissez un sujet, vous allez faire des recherches, vous allez combiner, faire des recoupements entre plusieurs sujets pour avoir quelque chose d'innovant. Bah, si vous faites la même chose que ce qui a été traité sur le net, ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas d'apport pour vous, en fait. Et comme l'a assez bien dit aussi le docteur Sambou, en écrivant votre mémoire, vous positionnez comme un expert, comme un professionnel dans ce domaine. Moi, en contrôle de gestion, c'est depuis le master que j'ai opté pour écrire sur le contrôle de gestion. En faisant un travail sérieux, il y a des éléments de connaissances, de compétences que vous avez pu acquérir. Et jusqu'à maintenant, je fais du contrôle de gestion. Et là aussi, toute modestie à part, en fait, on fait appel à nous dans le cas du contrôle de gestion ailleurs. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que donc là, c'est quelque chose qu'il faudra prendre au sérieux, parce qu'en écrivant votre mémoire, soit en comptabilité, soit en finance d'entreprise, finance de marché, ou audit, etc., vous vous positionnez déjà comme un professionnel, comme un expert dans ce domaine. Donc, domaine sur lequel vous voulez écrire. Un. À partir de ce domaine, vous proposez un sujet. Comme je vais me répéter, on n'invente absolument rien. Maintenant, là aussi, vous pouvez faire des recoupements entre plusieurs sujets, faire des recherches entre plusieurs sujets. Donc là, pour reformuler et créer quelque chose d'innovant pour vous. Parce que si vous reprenez ce qui se passe ailleurs, on le sait en fait. On ne va pas vous montrer nos techniques pour déceler des choses qui sont déjà faites. Mais si vous reprenez quelque chose qui a été déjà fait ailleurs, nous le savons aussi. Voyez. Donc à partir de là, vous nous proposez après un sujet. À partir de là, nous allons reformuler, valider le sujet. Et aussi, on pourrait vous mettre en rapport avec un enquêteur. Soit le docteur Jean-Baptiste encadre, moi aussi j'encadre, docteur Sambou, docteur Sambou, docteur Momarcila, docteur Sida. Donc là, on peut vous mettre en rapport avec des encadreurs. Moustapha, c'est bon? Apparemment, non. Maintenant, après le sujet, on ne commence pas à écrire automatiquement. Donc, puisque vous avez opté pour, par exemple, une étude sur le contrôle de gestion, l'évaluation de la performance financière, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur le net, vous allez taper, faire des recherches pour avoir des documents qu'on appelle des articles ici. Donc, des articles sur le contrôle de gestion et des articles sur, par exemple, le lien entre contrôle de gestion et performance. Donc là, sur le net, vous avez N documents. Voire même parfois, dans certains cas, si vous avez un problème pour avoir accès à un document bien précis, vous nous l'envoyez et nous, on peut rechercher ce document pour vous et puis vous l'envoyer. D'accord. Et à partir de là, après la recherche d'articles, vous allez lire pour comprendre qu'est-ce que les auteurs ont pu dire sur le contrôle de gestion. Sur le lien entre contrôle et performance, sur le lien entre contrôle et performance financière, etc. Donc là, cela va vous donner plus de connaissances, vous pourrez comprendre ce que vous voulez faire concrètement. Et c'est à partir de là que vous allez rédiger d'abord un premier draft où vous allez revenir sur le contexte, sur la problématique. À partir de cette problématique, comment on peut poser une question principale de recherche et comment décomposer cette question principale en questions secondaires. Donc, questions secondaires de façon générale. Après, les intérêts objectifs et pertinences de votre sujet. Donc, si vous nous envoyez ce document-là, que nous allons regarder et valider, donc là, on pourra voir est-ce que vous avez bien compris ce que vous voulez faire ou pas. À partir de là, maintenant, on va vous donner un canevas pour rédiger votre mémoire. Et la mémoire se fera en deux parties. Première partie, c'est concept et théorie. Deuxième partie, c'est pratique. Lorsque tout à l'heure, j'avais dit, par exemple, si on prend le sujet, contribution du contrôle de gestion à l'évaluation de la performance financière, cas de lancement. Donc, première partie, on va revenir sur les concepts et la théorie. Donc, chapitre 1, on peut mettre l'accent sur le contrôle de gestion. Contrôle de gestion en outil de management. Dans ce chapitre-là, donc, c'est là qu'on va définir c'est quoi le contrôle de gestion. Que fait réellement le contrôle de gestion? Quels sont les apports du contrôle de gestion au management? Chapitre 2, toujours première partie.
On peut toujours mettre l'accent maintenant sur le lien entre contrôle de gestion et performance financière. Et pour ça aussi, qu'est-ce que les auteurs ont pu dire sur ça? Donc, voyez, donc là, il faudra, comme l'a si bien dit Dr. Sambo, il faudra impérativement lire. Parce que dans le document, vous allez citer des auteurs. Ah Vous bon? allez. Oui. Allô? Oui, c'est bon maintenant. Allô, vous me recevez? Oui. Parfait, Oui. alors. Ok, donc vas-y, après, après, je vais revenir. Alors, bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. Je commencerai d'abord par présenter mes excuses liées à des problèmes techniques par rapport à mon micro. Mais aussi remercier le professeur Baba Kadien qui a initié cette rencontre, mais aussi les collègues Jean-Baptiste, docteur Jean-Baptiste, docteur Babacar et toute l'équipe au niveau donc du pôle CEJA, cellule éco-gestion. Remercier aussi les étudiants qui ont tenu à être présents, en tout cas pour partager avec nous ces moments importants qui consistent à les accompagner dans le cadre de la rédaction de leur mémoire. Donc, sans plus tarder, sans oublier bien sûr l'équipe technique qui nous accompagne pour en tout cas réussir ce séminaire. D'abord, de quoi il s'agit? Il s'agit de vous parler comment réussir un bon mémoire. Parce que l'objectif final, c'est de rédiger un bon mémoire. On va faire beaucoup de contournements, on va parler beaucoup de choses, mais la finalité, c'est vraiment d'arriver à rédiger un bon mémoire. Donc, à travers cette rencontre, nous allons définir clairement c'est quoi la séance, en fait, parce que quand on parle de mémoire, c'est un document scientifique. Ce qui différencie un mémoire d'un roman, ce qui différencie un mémoire d'un travail journalistique, le mémoire constitue un document scientifique. Et quand on parle d'un document scientifique, ça veut dire qu'il y a un protocole de recherche à respecter. Il est important, pour rédiger un mémoire, de comprendre comment s'enchaîne une étude scientifique. Autrement dit, les différentes parties du mémoire. Quand est-ce qu'on va dire que ça, c'est un bon mémoire? Au moins, quand vous présentez vos documents, il y a des éléments que l'évaluateur va au moins regarder. Est-ce que ce document a tel élément? Est-ce que ce document a tel élément? Etc. Donc, globalement, à travers cette rencontre-là, nous allons décrire l'architecture d'un mémoire et pour finalement arriver à rédiger un bon mémoire. Je pense que j'ai suivi, j'avais des problèmes pour parler, mais j'ai suivi un peu ce que les collègues ont commencé à expliquer. Tout d'abord, commence par le choix du thème. Je suis allé directement à travers cette présentation vous parler du sujet, mais tout commence par le choix du thème. En fait, il y a une différence entre thème et sujet. Quand on parle d'un thème, c'est beaucoup plus englobant, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus vaste. Mais à travers un thème déjà, on peut ressortir un sujet. Ce qui veut dire que toute une classe de 50 étudiants, etc., peuvent travailler sur le même thème. Aujourd'hui, par exemple, j'ai écouté Dr. Babacardien donner des exemples de sujets en parlant de contrôle de gestion, etc. Par exemple, quand on parle de contrôle de gestion dans les petites et moyennes entreprises, le cas de Sedima, par exemple, on peut trouver un thème qui peut englober tous ces sujets-là. Par exemple, quand on parle de contrôle de gestion et performance, quelqu'un peut dire contrôle de gestion dans les toutes petites entreprises, le cas de Brioche Dorée, par exemple. Le contrôle de gestion dans les grandes entreprises, le cas de Sonatel, etc. Donc là, à travers un thème, on peut ressortir plusieurs sujets. Et d'habitude, ce que, en tout cas personnellement, ce que j'ai l'habitude de dire aux étudiants, parce que les étudiants perdent énormément de temps sur le choix du sujet. Le docteur Babacar Diagne l'a souligné tout à l'heure. C'est aux étudiants de choisir un thème. Ça veut dire que le centre d'intérêt sur quoi ils veulent travailler. À partir de là, nous, en tant qu'encadreurs, nous allons les accompagner pour affiner, pour finalement trouver un sujet. Donc, ce qui veut dire quoi? Il ne faut jamais prendre des mois, des semaines, perdre beaucoup de temps en disant, je n'arrive pas à trouver un sujet. Ça, ce n'est pas des excuses. Il ne faut pas avoir ce prétexte de dire que je n'ai pas réussi à avoir un sujet, je ne peux pas démarrer. En fait, un sujet peut évoluer. Il peut arriver même qu'à la veille de votre soutenance, qu'on regarde le contenu du mémoire et on vous dit, il faut reformuler le sujet. Par rapport à ce contenu-là, voilà ce que ressemble
vraiment votre travail là, voilà le sujet qui colle mieux au contenu. Donc, ce qui veut dire quoi? Si vous avez un thème, vous pouvez commencer à travailler, faire vos recherches, lire surtout. Je vais y revenir par rapport à la lecture, etc. Mais tout commence d'abord par le choix du thème. Et le thème, tout le monde peut trouver un thème, parce que tout le monde a un centre d'intérêt. Même par rapport à votre spécialisation, parce que vous avez un thème. Parce que vous n'êtes pas tous de la même spécialisation. Certains sont en marketing, peut-être, certains sont en contrôle de gestion, certains sont en audit, etc. Dès l'instant que vous avez opté de vous spécialiser dans un domaine, pratiquement, vous avez un thème. Par exemple, je suis sûr que vous n'allez pas sortir de l'audit. Maintenant, c'est de voir appliquer à quoi, quel terrain, quelles sont les cibles qui mènent, etc. À partir de là, vous avez un thème, ce qui veut dire que vous pouvez faire énormément de recherches, avancer pendant des mois sans bien affiner votre sujet. Donc, j'ai envie de dire tout simplement qu'il ne faut pas que le choix du sujet constitue un blocage. Dès l'instant que vous avez un thème, vous pouvez commencer à avancer. Au fur et à mesure, vous pouvez affiner. Parce que vous pouvez choisir même un terrain et vous vous rendez compte que le terrain n'est pas accessible. Et dans ce cas-là, vous serez obligé de changer de terrain et vous allez comprendre avec moi que le sujet va changer. Donc, le choix du thème est important, ce qui vous permet d'avancer pendant une période. Parce que comme on le dit, faire la recherche, c'est faire des allers et retours. Ce sont des moments un peu difficiles au début. Ce sont des hésitations. Ce sont des balbutiements et là, c'est très logique. Ça veut dire qu'au départ, quand vous hésitez, vous avez des soucis. Quel est le sujet que je dois choisir? Sur quoi je dois travailler? Quel est le terrain? Dites-vous que c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal en fait. C'est ça que la recherche donc, va commencer. Parce que si vous savez tout où aller directement, on ne va pas parler de la recherche. Ça veut dire que quand on parle de la recherche, ça veut dire qu'au moment, il faut qu'il y ait ces hésitations, il faut qu'il y ait ces moments de doute, ces moments d'inquiétude et ces moments aussi de partage, de discuter sur quoi vous voulez travailler. Au fur et à mesure, donc, le sujet va être affiné pour qu'on puisse vraiment avancer davantage. Mais aussi, à travers cette présentation, si le temps nous le permet, bien sûr, nous allons parler effectivement de la spécification de la problématique. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de mémoire sans qu'il y ait un problème. On ne peut pas parler de mémoire sans qu'il y ait un problème. Dès l'instant qu'on parle de mémoire, ça veut dire qu'il y a un problème à traiter. Et à partir de ce problème-là, on va avancer sur le mémoire. Ça veut dire que le problème va venir de quoi? Vous regardez votre environnement. Par exemple, récemment, il y a eu, par exemple, une baisse des tarifs, par exemple, par rapport au transfert d'argent qui a été observé au niveau du secteur. Parce que Wave est venu à diminuer les tarifs, automatiquement, les gens ont suivi. On peut voir, par exemple, quel est l'impact de cette baisse des tarifs de transfert d'argent au niveau de telle entreprise. Parce que là, vous avez regardé votre environnement et vous avez identifié donc une problématique à traiter. Ou bien, vous lisez par rapport à votre thème. Même le choix du thème déjà peut vous aider à trouver la problématique. Ça veut dire que vous avez identifié un thème, vous commencez à lire peut-être des mémoires, peut-être des articles, et vous vous rendez compte qu'il y a un point essentiel qui n'a pas été abordé. Et d'habitude, dans le cadre des mémoires ou des articles, ce qu'on appelle parfois les limites de ces travaux-là. À partir de ces limites-là, donc cela peut vous aider aussi à poser une problématique. Donc, quand on parle de problématique, ça veut dire quoi? Vous identifiez une situation sur laquelle vous voulez apporter une réponse. Donc, un mémoire, forcément, il faut qu'il y ait une problématique. Mais aussi, les questions de recherche. Parce que parfois aussi, il y a une petite nuance entre problématique et questions de recherche. Quand on parle de problématique, ça veut dire qu'il y a des éléments de contexte qui sont là. On problématise. Ce qui veut dire quoi? C'est pour éviter que la question de recherche tombe du ciel. Vous ne venez pas, dans le cadre de votre document, juste poser une question. Ça veut dire que cette question-là doit être soutenue par quelque chose d'abord. Cette question-là doit être justifiée. Cette question-là doit, en tout cas, avoir un sens. Et comment arriver à cela? C'est en problématisant. Ça veut dire quoi? Vous parlez un peu de l'environnement, vos constats,
ce que vous constatez et qui va vous pousser à poser une question de recherche. Et quand on parle de question de recherche, ça veut dire que c'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Et encore une fois, un mémoire, il n'y a qu'une seule question de recherche en réalité. Mais effectivement, on peut avoir une question de recherche et essayer d'éclairer, essayer de préciser cette question de recherche-là à travers des questions qu'on appelle généralement des questions spécifiques ou bien des questions subsidiaires. Autrement dit, dans le cadre de mémoire, vous avez une problématique et vous avez une seule question principale. Ça veut dire que vous avez une question centrale. Maintenant, cette question centrale-là peut être éclairée par d'autres questions. Ça veut dire que pour mieux préciser, pour mieux éclairer, pour mieux affiner votre question principale. Parce que parfois, pourquoi je le dis, on peut trouver un mémoire où l'étudiant pose plusieurs questions. Et parfois, ce sont des questions qui sont indépendantes, qui n'ont rien à voir. Et là, ça pose problème dès le début. Parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut répondre réellement. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut résoudre. Donc, retenons que dans le cadre d'un mémoire, vous avez une problématique et vous avez une question de recherche. Et cette question de recherche, maintenant, peut être bien sûr éclairée par des questions secondaires, si vous voulez. Maintenant, ces questions qu'on appelle généralement questions secondaires ou questions spécifiques ne sont même pas parfois obligatoires. Si la question principale est bien claire, parfois, on peut ne pas poser toutes ces questions-là. Parce que poser d'autres questions, ça entraîne des implications. Ça veut dire que dans le cadre d'un mémoire, toute question que vous avez soulevée, il y a des implications. Ce qui veut dire que vous ne devez pas poser une question au début et l'oublier. Toute question que vous avez posée, il y a des implications. Vous allez justifier, vous allez trouver comment arriver à apporter une réponse par rapport à cette question-là. Donc, par rapport aux objectifs spécifiques de cette rencontre aussi, nous allons parler des objectifs de recherche. Les objectifs de recherche, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous avez votre sujet, vous avez votre problématique, il faut avoir des objectifs. Ça veut dire qu'à travers un sujet, à travers une problématique, chacun a des objectifs. Ces objectifs-là, c'est ce qui vous protège, même au moment de la soutenance. Par exemple, vous avez pris un sujet et vous avez décliné vos objectifs. Voilà vos objectifs qui sont très clairs. Dans le cadre de ce mémoire, l'objectif principal, c'est de voir comment l'arrivée, par exemple, de nouvelles entreprises dans le monde du transfert d'argent a entraîné une diminution des prix, etc. Donc, c'est ça votre objectif principal. Maintenant, dans le cadre, au moment de soutenir, si quelqu'un, si un collègue comme le Dr Babacar ou Jean-Baptiste vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé pourquoi vous n'avez pas abordé, par exemple, de la réglementation dans ce domaine-là? Mais vous serez à l'aise de dire que, monsieur, voilà, dans le cadre de ce mémoire-là, nous savons que la réglementation dans ce domaine est très importante, mais l'objectif, c'est de voir un peu comment l'arrivée de nouveaux concurrents a entraîné une diminution des prix. Ce qui veut dire que, en déclinant vos objectifs, même là, vous vous protégez. Ce qui veut dire que vous n'allez pas dans tous les sens. On sait, voilà le cadre, voilà ce que vous voulez étudier dans le cadre de ce mémoire-là. Donc, les objectifs, il faut bien les définir. Voilà l'objectif de votre travail. Cela vous protège, cela vous permet aussi de rester concentré sur votre objectif, là où vous voulez donc arriver. Dans le cadre du mémoire aussi, il est important de formuler généralement des hypothèses de recherche ou des propositions de recherche. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par hypothèse de recherche ou proposition de recherche? Généralement, ce sont des résultats, mais des résultats qui sont théoriques. Ça veut dire que vous confirmez à partir de vos lectures, à partir de vos constats. Vous confirmez quelque chose que vous allez plus tard vérifier. Comment vérifier? Quand on va parler de méthodologie, on va en revenir. Ce qui veut dire que, par exemple, vous confirmez. Vous dites, le contrôle de gestion est un élément important dans les petites et moyennes entreprises. Là, vous le dites, c'est une affirmation, mais vous le dites sur la base de quoi? Vous n'avez pas encore fait votre terrain, vous n'avez pas encore interrogé des acteurs, vous n'avez pas eu des données qui peuvent le prouver, mais vous le dites sur la base de votre lecture, sur la base
de vos constats. Donc là, vous formulez une hypothèse de recherche ou bien une proposition de recherche. Et là, il faut après le terrain, effectivement, infirmer ou bien affirmer cette proposition de recherche. Un autre point important aussi qu'on va aborder dans le cadre de cette rencontre-là, c'est la revue de la littérature. Ça pose énormément de problèmes aux étudiants. Alors qu'on ne peut pas faire aussi un bon mémoire sans qu'il y ait une bonne revue de la littérature. Et quand on parle de revue de la littérature, c'est l'état de l'art. Ce qui veut dire quoi? Tout sujet que vous allez choisir, ne faites pas, en tout cas, le guerrier pour vous taquiner un peu, en choisissant un sujet où, en réalité, il n'y a pas de production scientifique. Ça veut dire qu'il ne faut pas se glorifier en disant que le sujet que nous avons choisi, c'est un sujet très rare. Personne n'a travaillé sur ce sujet-là. Oui, personne n'a travaillé sur ce sujet. Ça peut être intéressant de travailler sur ce sujet. Mais aussi, peut-être que ce sujet-là n'est pas important. Ça n'intéresse personne. Il n'y a pas d'apport en réalité du point de vue managérial, du point de vue théorique, du point de vue méthodologique, parce que ce n'est pas important. Et on n'a pas intérêt, en tout cas, à s'aventurer sur des choses qui ne sont pas importantes. Donc, le sujet que vous allez choisir, rassurez-vous qu'il y a une production scientifique qui existe d'abord. Il y a des gens qui se sont intéressés à ce sujet-là, à ce thème-là. Maintenant, vous, en faisant votre revue de la littérature, vous faites ce qu'on appelle, excusez-moi, un état de l'art. Ce qui veut dire que vous montrez votre niveau de connaissance par rapport à ce sujet-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas le premier à avoir travaillé sur ce sujet. Il y a Dr. Dien qui a travaillé sur ce sujet, sur le contrôle de gestion et la performance. Il y a aussi Dr. Jubé qui a travaillé. Il y a Dr. Tchè qui a travaillé, il y a Dr. etc., il y a professeur, il y a Boucher qui a travaillé sur ce sujet-là. Normalement, vous devez faire des recherches. Plus tard, je vais vous donner quelques bases où vous pouvez avoir des articles, où vous pouvez avoir en tout cas des ouvrages et des documentations pour effectivement faire une bonne revue de la littérature. Parce qu'en faisant une bonne revue de la littérature aussi, on ne va pas se contenter uniquement de trouver du n'importe quoi sur Internet. Sur Internet, on peut trouver aussi du n'importe quoi. Quelqu'un peut dormir jusqu'à 4 du matin, penser à un sujet, écrire du n'importe quoi et lancer sur Internet. Ça veut dire que vous devez avoir des références, effectivement, qui sont aussi scientifiques. Et là, il y a des bases de données, il y a des revues, il y a des sites où on peut télécharger des articles, qu'on s'assure que ces articles-là ont fait l'objet d'une évaluation par des scientifiques. Donc, faire une revue de la littérature, c'est faire un état de l'art. Ça veut dire que votre niveau de connaissance sur le domaine sur lequel vous voulez travailler. Vous voulez travailler sur l'audit interne. Oui, je dois connaître l'état d'avancement des recherches sur l'audit interne. Depuis quand l'audit interne a vu le jour, par exemple. Ce sont les articles de base qui peuvent vous permettre d'avoir un peu l'historique. Mais quelle est la situation de l'audit interne actuellement? Ce qui veut dire quoi? Vous allez regarder des articles qui sont rédigés récemment pour vous montrer aujourd'hui comment l'audit interne a évolué, etc. Maintenant, vous, les documents que vous choisissez, ou bien les documents que vous allez lire, il y a des auteurs. Vous les citez aussi. Parce que en faisant la revue de la littérature, aussi, on doit citer les auteurs. Là où vous avez pris l'idée, vous devez citer. J'ai écouté Dr. Jean-Baptiste disait tout à l'heure qu'il ne faut jamais faire le plagiat. On ne vous demande pas de réinventer la roue. Vous lisez un document, vous vous inspirez de ce document-là, vous prenez l'idée, c'est l'idée que vous prenez, et vous reformulez à travers vos propres phrases l'idée, et là, vous citez l'auteur. Par exemple, vous dites, selon Sambou, 2019, etc., voilà l'idée qui a été dite sur l'audit interne, etc. Donc, la revue de la littérature, elle est très importante dans le cadre du mémoire. Là aussi, on peut y revenir avec plus de détails. La méthodologie. Quand on parle de la méthodologie, l'intitulé de notre séminaire, en fait, c'est ça qui fait la scientificité du document. Vous avez fait une revue de la littérature, vous avez eu des éléments de contexte, etc. Mais il faut faire une méthodologie de recherche. C'est un chapitre entier dans le cadre du mémoire.
Donc, la méthodologie, en termes simples, consiste tout simplement à montrer comment vous avez fait pour obtenir les informations et comment vous avez fait d'autre part pour traiter ces informations-là. Quand je parle d'informations, je parle de données. Ça veut dire quoi? Vous avez parlé de la revue, etc. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Le terrain, c'est quoi? Le terrain, c'est l'entreprise que vous avez choisie. Le terrain, c'est le lieu d'application que vous avez choisi. Maintenant, c'est le moment d'aller vers les acteurs qui sont concernés. Poser des questions, interagir avec eux, prendre des documents sur eux, avoir toutes les informations. On peut faire des entretiens, là aussi nous allons y revenir. On peut faire une observation, on peut faire des questionnaires, on peut faire des focus group, ce qui veut dire quoi? On peut prendre des notes, regarder comment les gens travaillent, on peut les interroger, on peut faire des entretiens, on peut faire des questionnaires. Tout cela permet effectivement de recueillir des informations. Mais dans ces informations que vous avez recueillies, vous n'allez pas les ranger dans vos tiroirs. Vous allez effectivement les traiter. Comment traiter? On peut faire un traitement manuel. On peut aussi utiliser des logiciels aujourd'hui pour faire des traitements. Là aussi, nous pouvons y revenir avec quelques exemples. Maintenant, quand vous faites l'analyse de vos données, effectivement, vous allez présenter vos résultats. Les résultats que vous présentez, donc, sont des résultats issus du traitement statistique, par exemple, ou bien des verbatims que vous avez à travers des entretiens. Maintenant, à partir de là, ces résultats aussi, vous devez les discuter. Comment discuter les résultats? C'est de les confronter maintenant à la revue de la littérature. Les résultats que vous avez, ce sont des résultats issus de vos propres recherches. Ça veut dire que vous êtes sur le terrain, vous avez fait un stage ou bien vous êtes allé rencontrer les acteurs, vous avez eu des informations, vous avez traité et vous avez eu des résultats. Ces résultats que vous avez eus, vous les comparez à votre revue de la littérature. C'est ce qu'on appelle la discussion. Maintenant, est-ce que les résultats que vous avez eus sont en phase avec ce que Dr Babacar Diagne, que vous ne connaissez pas, qui est de l'autre à l'autre bout du monde, qui avait écrit sur l'audit interne, est-ce que ce qu'il a dit, et vous, par rapport à votre terrain, ce que vous avez eu comme résultat, est-ce que c'est pareil? Ou bien, est-ce qu'il y a des nuances? Ou bien, est-ce qu'il y a des divergences, etc.? Donc, vous discutez. Vous dites, par exemple, contrairement à ce que Dr Babacar Diagne a avancé, nous, l'audit interne n'est pas quelque chose qui est important dans le cadre spécifique des petites et moyennes entreprises au Sénégal. On peut s'en passer. Alors que lui, il a développé dans son mémoire ou dans son article que l'audit interne, on ne peut pas l'appliquer dans le cadre des petites et moyennes entreprises pour être performant, pour être compétitif sur le marché. Alors qu'au Sénégal, vous avez des petites entreprises parfois informelles, peut-être vous n'avez pas forcément besoin de cet outil-là. Donc, vous discutez votre travail. Vous allez voir que dans le cadre du plan, j'ai mis l'introduction et la conclusion à la fin. Évidemment, la conclusion, c'est à la fin. Cela ne va pas poser de questions, cela ne va pas poser de problème. Mais l'introduction, c'est au début. Et j'ai préféré mettre ça à la fin parce que, en fait, une bonne introduction, vous ne l'aurez qu'une fois que vous avez presque fini votre travail. C'est vrai qu'au début, pour vous rassurer, pour vraiment vous rassurer, vous pouvez commencer à faire une introduction. Mais mettez-vous dans la tête que vous devez forcément revenir sur l'introduction à la fin. Avant la conclusion, vous devez revenir vraiment sur l'introduction. Parce que l'introduction est une partie très, très importante du mémoire. Parce que c'est à travers l'introduction qu'on va avoir une idée de tout ce qui reste. C'est à travers l'introduction même que l'enseignant ou bien l'évaluateur va avoir une idée de la note que vous méritez dans le cadre de votre mémoire. Donc, il ne faut jamais, jamais bâcler votre introduction. Il faut bien rédiger l'introduction. Il faut perdre énormément de temps sur l'introduction. Au début, vous commencez par l'introduction si vous voulez, mais à la fin, il faut revenir sur l'introduction et faire en sorte que l'introduction soit en phase avec le contenu du mémoire. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir une introduction qui ne reflète pas le contenu du mémoire. Et là, pour avoir vraiment une bonne introduction, vous ne pouvez l'avoir qu'à la fin
en regardant toutes les différentes parties. Et à partir de là, vous revenez sur votre introduction pour faire en sorte que l'introduction soit en synchrone avec le document de manière globale. La conclusion, on fait le résumé du document, on revient sur les moments forts, notamment sur les résultats principaux. On présente les limites par rapport à votre travail. On présente aussi les perspectives, parce que ces limites-là vont vous aider à avoir aussi des perspectives. Mais aussi, pour ne pas oublier aussi, il y a les recommandations à faire. Donc, en revenant sur l'introduction tout à l'heure, on va revenir sur tous ces éléments-là. Ça veut dire qu'un document scientifique, on doit aussi avoir ce qu'on appelle la bibliographie. Ça veut dire que quand vous faites un mémoire, vous avez utilisé beaucoup de documents, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Il faut faire récapituler l'ensemble de ces documents-là, ce qu'on appelle la bibliographie, à la fin. Et la bibliographie aussi, il y a des normes. On ne fait pas n'importe comment la bibliographie. Il y a des normes à respecter. Il y a une manière de faire la bibliographie. Là aussi, moi et les collègues, nous allons y revenir. Et nous allons terminer par des conseils pratiques. Les conseils pratiques, oui, le document est important dans le cadre du mémoire, mais aussi la soutenance, comment se comporter, comment préparer vos PowerPoints, tout ça, c'est important. Parce qu'on peut faire un très bon mémoire, arriver le jour de la soutenance, passer complètement à côté, parce qu'on n'a pas fait un effort de bien faire un PowerPoint. Nous allons vous expliquer comment bien faire un PowerPoint, comment parler en public, comment tenir le discours, et arriver jusqu'à vraiment réussir votre mémoire. Donc, globalement, voilà l'introduction que j'ai tenu à faire. J'ai été un peu long, un peu enrhumé aussi, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes en ligne. Donc, il n'y a pas de risque de transmission. Donc, je vais peut-être repasser la parole à Dr. Dien ou bien Dr. Sambou, le temps de souffler et de revenir en détail. Et bien sûr aussi, en revenant en détail, vous pouvez nous interrompre, poser vos questions pour approfondir le débat. Merci, chers collègues. Le temps de souffler dans quelques minutes et de pouvoir revenir en détail. Si vous me recevez, bien sûr. Oui, merci beaucoup, docteur. Donc, bon, peut-être ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait des questions, enfin, je vois des échanges. Ce qu'on pourrait faire maintenant, puisque la première heure, nous avons présenté, docteur Sambou, vous et moi, on présente un peu ce qu'on attend de vous. Maintenant, posez vos questions, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Donc là, pour la deuxième heure, donc, c'est jusqu'à 11 heures, nous allons répondre à vos questions. Donc, pour ceux qui veulent prendre la parole et poser des questions sur des choses qui ne sont pas assez claires, en fait, nous allons y revenir. Donc, chers étudiants, vous avez la parole. C'est quoi le souci? Vous n'avez pas des... Il n'y a pas de questions? Bonjour, docteur. Oui, donc, bonjour. Il me semble des étudiants, peut-être ils suivent sur YouTube, donc ils n'ont pas de micro là-bas. Ok, d'accord. Donc, oui, il faut que quelqu'un ramasse les questions. Mm-hmm. Donc, il faut un modérateur qui regarde sur YouTube, qui ramasse les questions et qui te les pose directement ici. Ok, d'accord. Oui. D'accord. Le docteur, vous me recevez? Oui, allô? Oui, c'est bon, oui. C'est bon? Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Ok, bon, s'il n'y a pas de questions, je pense donc, que... Excusez-moi. On peut poursuivre, hein? Il y a une première question, donc je fais le link entre les deux. Ok. Donc, merci, Dr. Diong, d'être revenu en profondeur sur les différents éléments. Parce qu'en réalité, c'est vrai, il y a sciences économiques, sciences de gestion, mais on se retrouve pratiquement... il n'y a pas une très grande différence, donc à des détails près peut-être. Mais juste te remercier pour la présentation claire
que vous avez fait et vous transmettre quelques questions. Donc, il y a la première question, hein, donc je reviens sur les questions. Revenir sur le travail de terrain. Première question, revenir sur le travail de terrain. Bon, vous pouvez prendre note, moi je prends note en même temps. Les objectifs de l'étude. Objectif de l'étude, revenir sur l'objectif de l'étude. Également, bon. Donc, le temps pour rédiger un mémoire. Le temps pour rédiger un mémoire, c'est une question de Monsieur Modou Fall. Il y a également comment faire pour suivre les étudiants qui sont à l'étranger. Donc, voilà les premières questions que j'ai recensées. Donc, en attendant pour les autres, donc, vous pouvez démarrer à répondre. Si j'ai quelque chose à ajouter, je pourrais revenir là-dessus pour certains. Mais c'est bon pour le moment. Après, je vais prendre les autres. Hein. Je vais vous revenir tout à l'heure. Merci. D'accord, merci À la parole. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, peut-être après, bon, le docteur Jong va revenir sur le travail de terrain. Donc, le travail de terrain, en fait, c'est votre méthodologie. C'est, par exemple, vous voulez étudier le modèle de contrôle de gestion de la Sonatel. Donc, il y a un travail théorique à faire, mais il y a un travail de terrain. Le travail de terrain consiste à être sur place, à poser des questions, à échanger avec les personnes nécessaires, ou donc faire un guide d'entretien que vous allez enregistrer, transcrire. Donc là, ce travail de terrain-là vous permettra d'avoir des données réelles qui vous permettront de mieux traiter votre mémoire. Donc là, c'est ça le travail de terrain. Bon, le docteur Jung va y revenir. Les objectifs de l'étude. Donc là, vous voyez, donc là, il a mis objectif de la recherche. Donc vous, en fait, en étudiant le modèle de contrôle de gestion de la Sonatel, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que vous voulez faire? Notre objectif est de. Vous voyez un peu. Donc, bon, là, vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole, en ligne, là, présentement, puisque vous suivez sur YouTube. Donc, combien de temps dure, votre mémoire? Donc, c'est l'équivalent du semestre 4. Donc, en moyenne, c'est entre, quoi, on peut vous donner. Parce que si vous ne faites que ça, on peut dire entre, un travail sérieux, vous pouvez être entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois, vous pouvez faire ce travail-là. Mais jusqu'à présent, il y a des étudiants de la P1 qui n'ont pas pu soutenir. Parce que pour moi, si un mémoire n'est pas bon, vous n'allez pas soutenir. Quitte même à ce que cela prenne 1 an, 2 ans, désolé d'être assez dur sur ce point, quitte même à ce que cela prenne 1 an, 2 ans, il y a des étudiants de la P1 à qui j'ai bloqué encore parce que les sujets, parce que le travail n'est pas bon. Le travail n'est pas du tout bon. Sur la forme ni sur le fond, rien n'est bon. Donc, si rien n'est bon, vous ne pourrez pas soutenir. Donc, sur ce point, il n'y a pas de discussion. Si vous faites un travail sérieux entre 3 et 6 mois, vous pouvez faire un bon mémoire, déposer, soutenir et maintenant obtenir votre master et aller faire autre chose. Maintenant, si vous prenez votre temps, parce que là, ça ne dépendra que de vous, hein, parce qu'on me dit là, il n'y a plus de cours et absolument rien. Vous faites un travail sérieux, vous nous envoyez, on corrige, on valide et maintenant vous pourrez continuer. Si le travail n'est pas bon, donc là, ce sera de votre faute en fait. Nous, nous sommes là que pour vous aider, pour vous encadrer à faire un bon mémoire. Maintenant, si vous ne travaillez pas, donc là aussi, voilà. Donc là, c'est l'équivalent du semestre 4. Donc 3 à 6 mois, ça suffit largement pour faire un bon mémoire de master acceptable. OK. Quelles sont les différentes parties qu'on doit évoquer pour rédiger un mémoire? Donc, si on prend les éléments de partie, donc là, je réponds globalement, après les collègues vont compléter. Les parties. Bon, dans un mémoire, vous aurez deux parties. La première partie, concept théorie. La deuxième partie, pratique. Et chaque partie doit avoir 2 chapitres. Donc, si on prend la première partie, concept théorie. Par exemple, pour le chapitre 1, vous allez définir là-bas vos concepts clairs, en fait. Si vous voulez étudier, par exemple, le contrôle, la finance ou l'économie, etc. Donc, c'est dans ce chapitre-là que vous allez définir un peu vos concepts. C'est dans le chapitre 2 que vous allez montrer les fondements théoriques de en fait, des concepts que vous avez présentés dans le chapitre 1. La deuxième partie, c'est le travail de terrain. Et donc là, chapitre 1, toujours, ou bien chapitre 3, vous allez revenir sur votre cadre d'études. Sur la méthodologie. Si votre cadre d'étude, c'est la Sonatel, vous allez présenter la Sonatel, nous montrer ce qu'il y a à la Sonatel, et vous allez également nous montrer votre méthodologie. Comment vous avez fait pour avoir vos données?
Vous allez dire guide d'entretien. Vous allez le présenter. C'est quoi un guide d'entretien? Quelle est la pertinence du guide d'entretien dans le cadre de votre étude? Maintenant, après tout ça, maintenant, vous allez nous présenter même votre questionnaire, votre guide d'entretien même en tant que tel. Vous voyez? Et maintenant, dans le dernier chapitre, vous allez nous présenter vos résultats. Vous allez discuter ces résultats-là. Puisque vous avez eu à faire votre méthode, vous êtes allé à la centrale, vous avez des données. Maintenant, vous allez nous présenter ces données-là. Vous allez analyser, discuter ces données-là et peut-être maintenant, en guise de perspective, même voir, même nous montrer ce qu'il y a lieu de faire plus tard, en fait, en termes de compta, de contrôle de gestion, d'audit au niveau de la Sonata. Donc, voilà, donc là, les deux parties que vous aurez. Chaque partie doit avoir deux chapitres. En moyenne, en fait, c'est ça que nous faisons. Le nombre de pages de mémoire. En tout cas, moi, j'ai l'habitude de dire que si on prend introduction, on est à peu près à 10 pages. Première partie avec deux chapitres. Chaque chapitre doit avoir au moins 15 pages par chapitre. Et sans compter l'introduction de la première partie et la conclusion de la première partie. Deuxième partie, même chose. Introduction de la première partie, introduction de la deuxième partie, conclusion de la deuxième partie, avec également les deux chapitres, au minimum 10 chapitres, 15 pages par chapitre. Donc, à peu près, vous devez être dans les 80 pages pour un mémoire. Comment collecter les données? Donc là, c'est en rapport avec votre sujet. Donc là, si vous avez un sujet, on va vous montrer concrètement comment faire pour avoir les données. Comment trouver un sujet, Madame Marissa? Donc, vous, en fait, si vous êtes en économie, en finance compta, ou bien en audit contrôle, vous nous dites, donc là, c'est à partir de là que vous allez choisir un thème. Si vous voulez, si vous êtes économiste, donc vous allez prendre quelque chose en économie qui vous intéresse, ou bien si vous êtes en finance, vous allez prendre domaine finance, ou bien en comptabilité, en audit ou contrôle. Donc, vous allez prendre déjà un cadre. Par exemple, si vous voulez travailler sur l'audit, donc là, je dis, je veux travailler sur l'audit. Donc, audit de façon générale. Mais à partir de l'audit, maintenant, moi, qu'est-ce qui m'intéresse en tant que tel? Donc là, on peut essayer de voir quels peuvent être les apports ou bien les fondamentaux de l'audit dans le cadre d'une mission 2, dans le cadre d'un commissariat au compte. Vous voyez un peu. Donc, c'est à partir de là que vous allez pouvoir sortir, affiner un peu. Et comme j'ai pas l'habitude de dire aussi, bon, je vais vous simplifier le travail, c'est par exemple, vous pouvez aller sur le net, vous pouvez voir maintenant des sujets de mémoire en audit ou bien des sujets de mémoire en contrôle de gestion. Vous aurez déjà une liste de sujets qui a été déjà traité. Et là, à partir de là, comme j'ai dit, en fait, ne copiez pas textuellement, en fait. Donc là, vous pouvez regarder entre 2 à 3 sujets et faire aussi des combinaisons pour avoir un sujet assez, voilà, assez innovant. Comme l'a dit tantôt le docteur Jung, il ne s'agit pas en fait de créer quelque chose. Mais non, tout simplement, il s'agira tout simplement de faire un usage intelligent des informations que vous avez. Et après, maintenant, on va l'étudier dans le contexte sénégalais. Oui. Donc là, comme exemple de sujet, contribution du contrôle de gestion à l'évaluation de la performance financière, le cas de la Sonatel. Ou bien, mise en place d'un modèle de contrôle de gestion dans une université publique, le cas de l'UVS. Oui, donc mise en place d'un système de contrôle de gestion dans une université publique, le cas de l'UVS. Oui, ou bien les apports du contrôle interne dans le cadre d'une mission d'audit, le cas de quoi? Le cas de la BCIS, par exemple. Donc, vous voyez, donc là, c'est par rapport à l'audit, ou bien le contrôle, ou bien la finance, ou bien la comptabilité, donc, ou bien l'économie. Donc, c'est là que vous allez définir un sujet. Comment trouver un bon sujet? Donc là, je vais dire, comment faire pour avoir un bon tuteur qui peut nous guider? Donc là, vous n'aurez pas de tuteur, mais vous aurez un encadreur. Vous n'aurez pas un tuteur, vous aurez des encadreurs. Donc là, selon le domaine, par exemple, moi, j'encadre en audit et en contrôle. Le docteur Jean-Baptiste encadre en économie avec le docteur Momar Siladja. Le docteur Moustapha Jong encadre aussi pour tout ce qu'il y a comme management, comptabilité, marketing. De même pour le docteur Sambou. Donc, vous voyez, donc là, selon l'axe, on peut vous dire que dans tel domaine, c'est tel professeur qui pourrait vous encadrer.
comment introduire les documents lus dans notre mémoire. Donc, comme l'a si bien dit le docteur John Turner, si on lit, on retient l'idée. Donc, on va développer l'idée maintenant avec nos propres mots. Et après, on met le nom de l'auteur. Par exemple, si vous avez pris l'idée d'un document du docteur Mustafa John, qui a été publié, par exemple, en 2021. Donc, après avoir développé l'idée, à la fin, vous allez mettre entre parenthèses John 2021. Ou bien, si vous avez pris l'idée dans un document du docteur Sambou, après avoir développé, à la fin, vous allez mettre Sambou entre parenthèses 2019. Ouais, donc là, c'est comme ça qu'on saura que, donc là, ce que vous avez pris là, en fait, donc là, provient essentiellement d'un document que vous avez lu, d'un document du docteur Sambou ou bien du docteur Jong. Oui. Maintenant, par contre, si c'est une citation, vous avez mis les guillemets et vous avez cité textuellement ce qu'a écrit le docteur Sambou ou le docteur Jong, donc là, vous allez mettre entre parenthèses Sambou, l'année de publication et la page même où on va trouver la citation que vous avez présenté. Je dis bien, vous allez mettre Sambou, par exemple, le document a été publié en 2019, donc on met Sambou 2019. La citation se trouve à la page 5, donc on va mettre P5. Donc là, on saura que la citation-là, vous l'avez pris à la page 5 du document du docteur Sambou qui a été publié en 2019. Maintenant, si ce n'est pas une citation, vous allez mettre seulement Sambou 2019, ou bien Jong 2021, ou bien Jin 2002. Vous voyez? OK? Je voudrais savoir si le mémoire se fera en ligne ou bien dans les énoncés. La soutenance, vous voulez dire, la soutenance se fera en présentiel, dans les énoncés avec un jury. Vous allez soutenir devant tout le monde au niveau de l'amphi avec un jury. OK? Vous pouvez inviter les membres de votre famille si vous voulez, comme le font aussi bon nombre d'étudiants. Il n'y a pas de souci. Le nombre de pages que doit contenir un document. Donc, en moyenne, on doit être à peu près à 80, voire plus. Entre 80, 75, 80, voire dans les 100. Moi, en rédigeant mon mémoire, j'étais à peu près à un peu plus de presque 110 ou 120 pages. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Introduction aussi, vous prenez 10 pages. Par partie, vous devez être à peu près à 40 pages, 35 pages peut-être par partie. Chaque chapitre, si on prend 15, donc vous en avez 4, sans compter introduction de la première partie, conclusion de la première partie, introduction de la deuxième partie, conclusion de la deuxième partie et conclusion générale. Après, vous avez les éléments de bibliographie, après vous avez les éléments d'annexe. Donc à peu près facilement, vous êtes minimum à 80 pages. Comment trouver un encadreur? Vous pouvez, si vous connaissez un professeur dans une autre université, pourquoi pas. Ou bien, si vous n'avez pas d'encadreur, si vous travaillez, par exemple, en contrôle de gestion, donc moi, je peux vous encadrer. Mais la première chose, c'est d'abord de proposer des sujets. Est-ce qu'on peut avoir ce document? Le docteur Jong va partager ce document. Comment peut-on rédiger un mémoire sans faire de stage? Oui, c'est possible. Donc là, on va jouer sur la méthodologie, faire un guide d'entretien ou bien un questionnaire et vous irez sur le terrain pour animer ce guide d'entretien. Nombre page maximale. Il n'y a pas de nombre page maximale, mais il y a nombre page minimal. OK, bon. Les gars, je vous laisse prendre aussi le relais. Merci, Président. Moi, je vais juste répondre à certaines questions parce que je pense que vous avez touché pratiquement à la majorité. C'est juste pour des étudiants qui sont à l'étranger. Vous pouvez également choisir, par exemple, un sujet de recherche parce que la science, elle est universelle. Donc, maintenant, par exemple, si vous faites en gestion, en contrôle de gestion et performance de telle entreprise, par exemple, dans le pays où vous êtes. Donc, par exemple, il ne faut pas vous dire que vous devez faire la recherche au niveau du Sénégal. Vous pouvez le faire au niveau de votre pays. Mais vous vous intéressez avec votre encadreur, que ce soit par mail, généralement par mail ou bien par téléphone. Donc, dans ce sens, il n'y a aucun souci. Comme tous les étudiants qui sont ici également au Sénégal, il y a certains étudiants, ils vont terminer leur mémoire avant même
qu'on ait une rencontre en présentiel avec eux. Donc, juste pour vous dire que vous pouvez être à l'étranger, choisir un bon thème de recherche pour résoudre un problème, par exemple, dans le pays où vous êtes. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, il y a également des questions par rapport au master MCTDL, etc., donc, et GRH. Donc, par rapport à votre module et vos modules, je démarre par GRH, par rapport à vos modules, vous pouvez choisir un sujet. Mais toutefois, vous devez discuter d'abord avec, vous devez chercher également un encadreur. Et je vais sauter sur une question qui touche également ce point-là. Par rapport à l'encadreur, vous savez, vous êtes normalement au niveau de l'UBES, peut-être le président Babacar pourra revenir sur ces aspects-là. On a un grand nombre d'étudiants par rapport aux encadreurs potentiels qui sont ici en interne. Et si je ne me trompe, on n'est pas à hauteur de 10 encadreurs donc en interne ici pour vous encadrer. Et vous avez le nombre d'étudiants et donc c'est un grand nombre que nous avons. Maintenant, par rapport aux encadrements, ce que vous devez faire, si vous avez un thème de recherche, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez discuter avec, par exemple, votre responsable de formation. Vous lui proposez le thème et on va vous donner un canevas. Généralement, on a pris cette habitude quand vous me proposez un thème de recherche, on vous donne un canevas. Donc, tout à l'heure, comme l'a bien présenté le docteur Jong, il y a par exemple thème de recherche, sujet, présentation de la problématique, question de recherche, objectif, intérêt, pertinence du sujet. Donc, tous ces éléments-là, méthodologie utilisée, tous ces éléments-là, on vous demande de nous fournir des informations là-dessus. Maintenant, quand vous remplissez, vous répondez à tous ces éléments-là, il faut argumenter déjà. Ce ne sont pas des réponses d'une seule phrase. Il faut argumenter par rapport à tous les thèmes. On voit que l'étudiant, en réalité, il a une certaine maîtrise ou bien une certaine connaissance du thème qu'il veut étudier. Qu'il faut étudier. Et par rapport à ces investigations qu'il aura fait, on peut se dire, voilà, le sujet l'intéresse. Donc, si même l'encadreur qui est en face de votre responsable de formation ne peut pas vous encadrer là-dessus, il peut par exemple diriger par exemple le mémoire, dire que je vais le passer à Dr. Jong qui est spécialiste en marketing, etc. Puisque moi, je suis spécialiste en audit, contrôle de gestion, etc. Donc, le sujet porte plus sur le marketing. Donc, je vais passer le travail de l'étudiant à Dr. Jong. Donc, ce que vous devez faire, c'est qu'il y a un travail que vous devez faire à votre niveau déjà. Le choix du thème. Alors, choisir le thème, vous ficelez un sujet et comme l'a dit, vous devez normalement faire des recherches sur le net pour pouvoir justifier de l'intérêt, de la pertinence et maintenant faire une bonne problématique. Quand vous présentez ça à un prof, il peut essayer de vous chercher un encadreur s'il ne souhaite pas vous encadrer. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas encadrer tous les thèmes. Il y a des thèmes qu'on maîtrise mieux, il y a des thèmes qu'on maîtrise moins. Donc, ce qui fait que on doit, nous, à notre niveau, on peut vous aider à trouver un encadreur dans le thème. Maintenant, pour revenir, parce que je ne vais pas oublier le master MCTDL. Pour le master MCTDL, je pense bien que c'est le directeur même du pôle qui serait beaucoup plus à mesure de vous répondre. Mais normalement, il était prévu également pour ce cas-là de faire, si je ne me trompe, les autres pourront me rectifier, hein, ce qu'on appelle, il y a déjà des rapports de stage, également services à la communauté, mais bien encadrés. Je ne sais pas maintenant si les autres collègues pourront revenir là-dessus, parce qu'également, il y a un gros effectif à encadrer. Vous avez une situation particulière, mais il y a des outils, des textes qui ont été développés pour voir comment vous allez vous prendre par rapport à vos mémoires ou bien par rapport à un travail spécifique, par exemple, de service à la communauté, où on peut regrouper, par exemple, mes services à la communauté qui rentrent en droite ligne avec l'objectif du master. Voilà, et qui sera rédigé, un rapport qui sera rédigé derrière. Je pense bien qu'après, on pourra revenir là-dessus avec de plus en plus d'informations pour vous donner pratiquement les directives ou bien les normes qui ont été fixées par rapport à ce master-là. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à ajouter par rapport aux questions que j'ai eues à noter en ligne. Donc, je laisse la parole au président ou bien à Dr. Jong pour revenir sur certains points et approfondir, par exemple, mes explications. Alors, vous me recevez?
Oui, Allô? c'est bon. Oui, c'est bon. Allô, président, vous me recevez? Oui, le grand, c'est bon, oui. Oui, c'est bon. OK, OK. Donc, en tout cas, merci pour ces éclaircissements. Bon, je pense que je ne vais pas revenir intégralement sur tout ce qui a été dit, mais aussi pour la plupart des questions que les étudiants ont posées. Je pense qu'il y a des éléments que ce document avait pris en charge. J'ai entendu, par exemple, le nombre de pages. Je pense que le Dr Babacadia a bien répondu. Par exemple, ici, quand on définit un mémoire, on parle un mémoire, c'est l'exposé complet d'une question, d'un sujet rédigé en vue d'obtenir effectivement votre diplôme. Maintenant, ce document peut comporter effectivement, comme il l'a bien dit, hein, donc de 60 à 100 pages. Le nombre de pages est certes important parce qu'on ne peut pas faire un mémoire de master et nous présenter 20 pages ou bien 15 pages ou bien 30 pages. Minimum 50, 60 jusqu'à 100. Il y a aussi parfois les annexes parce que aussi, quand vous faites un mémoire, il est important de justifier davantage tout ce que vous faites. Ça veut dire quoi? Si vous avez fait un terrain, vous avez fait un guide d'entretien ou bien vous avez fait un questionnaire, il est important d'avoir les annexes. Mais aussi, si vous avez pris des photos pour illustrer, il est important d'avoir ces annexes-là. Si vous avez aussi obtenu des documents auprès des gens avec qui vous avez interagi, il est important d'avoir ces annexes-là. Donc, du coup, le document peut comporter 50, 60, jusqu'à 100 pages, et parfois même au-delà. Par exemple, si vous avez des annexes, qu'on ne peut pas compter par rapport à la pagination. Donc, je pense que là, les collègues l'ont bien répondu. Qu'est-ce que c'est qu'un mémoire? C'est juste reprendre un peu les propos de Omar Aktouf qui disait que mémoire, en fait, ce n'est pas un récit car on doit démontrer quelque chose, prouver, argumenter, analyser, proposer et recommander. Donc, c'est important ces verbes qui sont utilisés. Ça veut dire qu'un mémoire, on doit démontrer, faire la démonstration, on doit prouver, on doit argumenter, développer, analyser, ne pas prendre tout au comptant. Parfois aussi, il faut prendre un peu de recul, analyser, comparer, par exemple, ce que un auteur a dit, proposer, et finalement faire des recommandations. Ce n'est pas aussi un rapport dans le sens de compte-rendu, car il suppose un effort d'investigation. Ça veut dire qu'on doit faire l'investigation. Quand on parle de l'investigation, ça veut dire qu'on doit aller sur le terrain, on doit interroger, on doit recueillir parfois des informations venant des sources différentes. Ce n'est pas aussi une description, car au mieux, on ne ferait que du travail journalistique. Ce n'est pas aussi un travail journalistique qui peut être superficiel. Donc, un mémoire, finalement, c'est une dissertation scientifique. Un mémoire implique, en tant que genre littéraire, par exemple, de traiter un sujet précis, d'en parler en connaissance, de parler en connaissance de cause, avec une certaine connaissance préalable du sujet, ce qui veut dire que vous avez lu, vous êtes documenté sur le sujet pour en pouvoir parler tranquillement. C'est ça, en fait, donc, quand on parle de mémoire. Mais aussi, c'est un document scientifique. D'abord, la connaissance des règles. Il y a des normes à respecter. Ça veut dire que, par exemple, le docteur vient de vous donner quelques normes. On vous dit, par exemple, voilà un peu ce qu'il faut, une introduction, à peu près combien de pages, voilà un peu les différentes parties, il faut au moins parfois deux parties, etc. Là, ce sont des normes à respecter pour que le document soit vraiment scientifique. Il faut de la rigueur par rapport au traitement aussi des données. Donc, il faut une certaine rigueur. Ça veut dire quoi? Il faut une certaine rigueur par rapport au traitement donc des données. Le mémoire, tout étant un genre mineur, ne fait pas partie intégrante du travail de recherche. C'est dans les grandes lignes, etc. Là, c'est toute une littérature, en fait, qui permet de comprendre ce qu'est un mémoire. Je pense que je ne vais pas perdre de temps
sur cette littérature-là, mais vous donnez un peu comment s'enchaîne en fait cette recherche-là. Là, vous voyez l'exemple de pyramide renversée. Je vous dis dans un premier temps le thème. Par exemple, quand on parle de thème, là, c'est vraiment global. C'est englobant, c'est beaucoup plus large. Maintenant, on parle du thème. Ensuite, on vient sur le cœur de notre travail. Ça veut dire que le sujet, ça veut dire qu'on choisit un sujet, mais on parle d'un thème. Et à partir de ce sujet-là, il y aura une problématique qui sera dégagée avec un contexte, avec des éléments de justification et finalement jusqu'à aboutir à une question donc, de recherche. Donc là, c'est pour montrer un peu comment il faut démarrer avec un thème, un sujet, problématiser, discuter, etc., jusqu'à aboutir à une question de recherche qui sera vraiment le fil conducteur donc, de votre recherche. Parmi les questions aussi, j'ai entendu de revenir ou bien sur les objectifs. En fait, la recherche n'a pas de sens sans la formulation d'objectifs explicites. Autrement dit, quand on parle de l'objectif, il s'agit de parler du but. Quel est le but de votre travail? Quel est le but? Pourquoi vous faites ce travail-là? Quelle est la finalité? Quels sont les résultats attendus? Quand on parle d'objectif, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre derrière. Quel est le but de ce travail-là? Quelle est la finalité? Pourquoi je fais ce travail? Qu'est-ce que je veux chercher? Etc. Là où je veux arriver, quels sont les résultats attendus? Et je vous disais en guise d'introduction, si vous formulez vos objectifs, vous vous protégez même. Vous vous protégez, en fait, pour éviter que quelqu'un vous dise pourquoi vous n'avez pas abordé cela? Pourquoi vous n'avez pas dit cela? Parce que entre collègues, parfois on le fait. Voilà, pourquoi vous n'avez pas développé cela? Pourquoi vous n'avez pas dit cela? Parce que tout simplement, peut-être vous n'avez pas bien spécifié, vous n'avez pas bien formulé vos objectifs. Cela fait en sorte que certaines questions peuvent venir vous perturber parce que en réalité, vous n'avez pas en tout cas limité votre recherche à travers donc, vos objectifs. Donc le but de votre travail, si c'est bien défini, la finalité, donc certaines questions peuvent ne pas être posées. Donc, en général, les objectifs sont déclinés sous forme d'objectif général. D'habitude, on parle d'objectif général, ensuite d'objectif spécifique. L'objectif général peut être scindé en objectif aussi spécifique, mais tout revient à l'objectif général. Ça veut dire qu'un mémoire aussi, c'est un travail très bien harmonisé, très bien synchronisé. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, ça doit être très bien harmonisé, très bien synchronisé. Donc, les objectifs de recherche naissent de la constatation d'un écart entre une situation jugée insatisfaisante, donc du coup, et le résultat auquel on veut parvenir. Donc, ce que je disais au début, la finalité, c'est vraiment d'arriver donc au résultat. Bon, il y avait des questions aussi. Le choix du sujet, c'est important. Quelqu'un a posé la question, comment choisir un sujet? Comme je vous dis au début, le choix du sujet n'est pas très facile, mais tout part avec le choix du thème. Quand on a un thème, déjà, moi, je dis, il faut commencer à travailler. Le sujet, d'abord, permet de bien délimiter exactement sur quoi vous voulez travailler. Mais le thème, c'est un peu général, mais ça permet d'avancer, ça permet de limiter votre lecture en disant, voilà, c'est le contrôle interne qui m'intéresse, c'est le contrôle de gestion qui m'intéresse, ou bien c'est le management des projets qui m'intéresse, etc. Donc, vous êtes dans un thème très général, mais vous n'avez pas encore un sujet. Donc, le sujet, après, la source du sujet vient de lecture. Quelqu'un l'a posé. Comment on choisit un sujet? On peut lire. Par exemple, si vous avez un thème, vous lisez sur ce thème-là. À partir de ces lectures-là, effectivement, vous pouvez avoir un sujet. Lire un ou deux ouvrages parfois peut aider aussi à avoir un sujet. Lire des articles de synthèse peut aider aussi à avoir un sujet. Repérer les zones de tension, de contradiction, etc., de vide théorique, tout cela permet d'avoir un sujet. Échanger aussi avec les professionnels, ceux qui sont dans le monde du travail, par rapport à votre terrain, tout cela aussi peut aider vraiment à avoir un sujet. Parfois aussi, discuter avec votre professeur référent. Par exemple, forcément, vous avez un encadreur
vous avez plutôt un professeur qui intervient dans un domaine sur lequel vous voulez travailler. Par exemple, vous voulez travailler sur le marketing, je fais un cours de marketing avec vous, après vous pouvez m'interpeller, me dire voilà, docteur, etc. Moi, le marketing m'intéresse. Maintenant, je voudrais travailler sur le marketing digital. Qu'est-ce que vous me conseillez? En fait, l'étudiant doit être un vrai entrepreneur, en fait. L'étudiant doit pouvoir se débrouiller à un moment donné et ne pas attendre tout de son encadreur. Ça veut dire que l'étudiant peut côtoyer d'autres enseignants dans leur domaine et demander quels sont les conseils, etc. Même si c'est votre encadreur qui doit valider, en tout cas, tous les choix que vous faites. Mais il faut penser toujours à se rapprocher des personnes qui peuvent être utiles pour vous. En fait, un mémoire ne se fait pas en autarcie. Autrement dit, un mémoire... quand vous le faites, vous devez avoir cette ouverture-là. Et échanger, même avec vos camarades, vous pouvez échanger, parce que si un camarade peut ne pas vous aider directement, mais peut vous mettre en rapport avec un spécialiste, parce qu'il a une fois entendu quelqu'un parler de votre sujet, ou bien il sait que quelqu'un s'intéresse à votre domaine. Donc, un mémoire, ce n'est pas quelque chose qu'on garde secrètement, mais c'est quelque chose qu'on discute avec les gens, avec son entourage, avec les gens qui peuvent vous aider. Voilà, donc, pour la problématique aussi, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile. Parfois, il y a des hésitations, des balbutiements. La question générale est un peu floue au début. Il y a des allers-retours importants qu'il faut noter. Mais aussi, là aussi, c'est important de le dire. Quand vous choisissez un sujet, automatiquement aussi, pensez au terrain. C'est important. Parce qu'il peut arriver que des étudiants travaillent pendant des mois et se rendent compte qu'ils ont des problèmes d'accès sur le terrain. Ça veut dire quoi? Soit ils ne peuvent pas avoir de contact sur le terrain sur lequel ils veulent faire leur enquête, etc. Donc là, ce qui veut dire quoi? Il faut y penser dès le début. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir des ressources, des documents ou bien des entretiens ou bien pouvoir faire vos questionnaires là-bas, peut-être vous pouvez changer de terrain aussi, parce que la finalité aussi, c'est de finir votre travail. Ça ne sert à rien de faire un mémoire pendant des années et des années. Un mémoire, c'est sur une année, c'est sur 6 mois. Il faut terminer et passer à autre chose. Le temps est précieux, ne perdez pas votre temps. Faites ce que vous devez faire. Vous êtes en master 2, faites tout pour soutenir la même année et trouver autre chose en fait. Soit aller dans le monde du travail, ou bien faire une thèse, ou bien faire ce que vous avez envie de faire. Mais ne perdez pas des années inutilement sur un mémoire. Mais aussi, parce que c'est important, parce que si vous ne validez pas votre mémoire, vous n'aurez pas votre diplôme. Mais aussi, heureusement, il n'y a pas que le mémoire à faire. Je pense que JB en a parlé, peut-être nous aurons l'occasion d'en revenir, sur, par exemple, d'autres possibilités. On a parlé de services à la communauté. Peut-être on peut revenir plus tard sur ça. Mais pour l'instant, on se concentre sur le mémoire, parce que c'est important aussi de parler du mémoire, parce que c'est ça qui fait l'objet de cette rencontre aujourd'hui. Donc, quoi d'autre encore par rapport aux questions qui ont été posées? Voilà, donc, exemple de problématique, j'en avais souligné. Là sont des exemples de problématiques. Hein. Que font les cadres d'entreprise chargés de gérer les connaissances dans l'organisation? C'est un exemple de question de recherche, par exemple. Comment rendre compte de l'émergence des conflits interpersonnels dans les organisations? Tout ça sont des exemples de questions de recherche. Quels sont les déterminants du choix d'externalisation de la fonction comptable dans les grandes entreprises? Là aussi, c'est un exemple de question de recherche, parce qu'on sait que les fonctions comptables, aujourd'hui, parfois sont externalisées, etc. Donc, on peut parler, effectivement, on peut traiter ce genre de questions-là. Bon, la revue de la littérature, bon, peut-être je vais donner un peu la parole, laisser la parole aussi aux collègues, s'ils ont quelque chose à ajouter, avant de continuer avec la revue, par exemple, sur les sources surtout. Voilà, les sources, parce qu'aussi, comme je vous l'ai dit, faire une revue, forcément, on a intérêt à lire, mais lire quoi? Pas n'importe quel document, mais avoir des sources. Ça peut être des revues académiques, ça peut être aussi cette source est souvent disponible, par exemple, à travers des conférences, par exemple AMS,
Vous tapez sur Internet AMS, Association internationale de management stratégique, vous allez avoir beaucoup d'articles, beaucoup de documents scientifiques. AFM aussi, AGRH, AFC, etc. Là, ce sont des conférences, ce sont des plateformes qui peuvent vous permettre d'avoir vraiment des sources. Mais aussi les bases de données, comme SAGE, Zistor, ScienceDirect, Kern. Je pense que Kern, avec l'UVS, nous avons Kern. Voilà, donc ce sont des bases de données qui permettent effectivement d'avoir donc des informations. Là aussi, en partageant le document, vous allez utiliser en tout cas toutes ces possibilités-là pour avoir vraiment la bonne documentation, ne pas trouver de n'importe quoi sur Internet. La méthodologie, quelqu'un aussi a posé la question, le terrain. Le terrain, en fait, c'est le lieu d'application. Quand vous choisissez un sujet, il vous faut forcément un lieu d'application, ce qu'on appelle donc un terrain. Ça peut être une entreprise, ça peut être une organisation non gouvernementale, ça peut être une organisation gouvernementale, ça peut être, par exemple, des associations, etc. Là où vous appliquez vraiment votre travail. Maintenant, pour la méthodologie, en fait, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on appelle les méthodes qualitatives, quand vous faites des études qualitatives, utilisant généralement comme source, par exemple, les entretiens, mais aussi il y a la méthode quantitative. Parfois, vous faites des questionnaires, parfois, vous utilisez des bases de données pour ceux qui sont en finance généralement. Il y a les états financiers qu'on utilise, les bases de données, etc., pour avoir effectivement les données. Maintenant, on peut peut-être détailler un peu pour les principaux outils de collecte de données par rapport à la démarche qualitative. On peut utiliser l'entretien. Maintenant, l'entretien, il y a plusieurs types d'entretiens. Il y a des entretiens dirigés, des entretiens non dirigés, des entretiens semi-dirigés, mais généralement, les étudiants sont contents de dire tout simplement « j'ai fait un entretien ». Un entretien, en fait, on le fait quand vous avez un guide d'entretien. Et quand on parle de guide d'entretien, là, vous avez des questions qui sont ouvertes. Ça veut dire que des questions qui sont ouvertes, des questions qui ne donnent pas forcément la possibilité de répondre par un oui ou un non, mais des questions qui peuvent tout simplement vous pousser à développer, ce qu'on appelle les questions ouvertes dans le cadre des guides d'entretien. Et là, le nombre de répondants n'est pas limité au préalable. Ce qui veut dire quoi? Je peux faire un mémoire avec 5 entretiens. Je peux faire un mémoire avec 10 entretiens. Je peux faire un mémoire même avec 4 entretiens. Tout dépend, par exemple, du niveau de saturation. Par exemple, si j'interroge une personne, la personne me dit, me développe, etc., aux différentes questions, répond. La deuxième personne revient un peu sur ce que la première personne avait dit. La troisième ne fait que répéter ce que le deux et le premier avaient dit. La quatrième, la même chose. Donc, j'arrête les entretiens. Et je dis, j'ai atteint ce qu'on appelle la saturation. Alors, quand il s'agit d'une étude quantitative, là, le nombre de répondants, le nombre de personnes qui vont répondre à votre questionnaire. Et là, quand je parle de questionnaire, je parle effectivement des questions qui sont fermées. On peut répondre par un oui, par un non. On peut répondre par aussi plus, par exemple, un peu d'accord, pas du tout d'accord, moins d'accord, etc. Donc, quand il s'agit de répondre à ces genres d'éléments-là, on peut aller jusqu'à un nombre important. L'échantillon donc, doit être représentatif, ça peut aller 60, 80, 100, etc. Généralement, les étudiants tournent autour, en tout cas, de ces nombres-là. Donc, pour vous dire que par rapport à la collecte des informations, on peut se contenter des données qualitatives. Des données qualitatives, ça peut être une documentation, ça peut être des données issues des entretiens, ça peut être des données issues de l'observation, ça peut être des données issues de focus group, etc. Et pour les données quantitatives, ça peut être des données issues de votre questionnaire avec des questions fermées où on limite vraiment le répondant. Et pour le questionnaire, généralement, on peut l'administrer en allant distribuer, par exemple, des questionnaires. Les gens peuvent répondre, cocher leur choix, etc. À travers aujourd'hui Internet, on peut partager sur nos réseaux sociaux, etc., pour vraiment collecter les informations.
Terminer un peu par rapport aux différentes questions. Là, je projette pour permettre aux gens de voir un peu aussi. Quelqu'un avait demandé un peu les différentes parties du mémoire. Je pense que le docteur Babacar Diagne l'a bien répondu. D'abord, il y a une introduction, il y a une partie théorique, il y a une partie aussi qui est empirique. Là, moi, généralement, là aussi, suivant les encadreurs, hein, certains vont vous dire que vous avez deux parties, d'autres vont dire que vous avez trois parties, mais dans tous les cas, c'est le même contenu. Tout dépend un peu aussi de l'encadreur, de son école, etc., comment il va subdiviser le mémoire. Mais nous, généralement, on fait un mémoire en deux grandes parties, chaque partie deux chapitres, ce qui vous fait globalement quatre chapitres. Et maintenant, pour les chapitres, par exemple, vous avez une introduction. L'introduction, on va parler un peu du contexte, de l'objet de la recherche. À travers l'introduction aussi, on peut parler donc, de la question de recherche. On peut parler de la méthodologie un peu, ne pas développer. On peut parler un peu de la contribution de cette recherche, ça veut dire l'intérêt de la recherche. Et à travers l'introduction aussi, on va parler un peu du plan qui sera développé. Ça veut dire que, je dis, dans le cadre de ce mémoire, le premier chapitre va porter sur le second chapitre, sur le troisième chapitre, et enfin le quatrième chapitre va aborder, etc. Donc, à travers l'introduction, je décline le plan de travail. Aussi, je fais un chapitre de revue de la littérature. Je commence généralement par un chapitre qui permet d'aborder les éléments de contexte, les enjeux par rapport à l'environnement, etc., mais aussi un chapitre sur la revue de la littérature. Ça veut dire que ce que les auteurs qui ont travaillé sur ce thème-là ont abordé, on fait comment on fait une revue de la littérature. Là, on compare les travaux des uns et des autres, on fait la synthèse, etc. On fait une analyse critique, donc du coup, on fait la confrontation des idées, etc. Donc, pour arriver à une bonne revue de la littérature. Il y a aussi les hypothèses, le cadre conceptuel. Peut-être que nous allons revenir sur ces concepts-là, parce que si je n'ai pas envie de partager trop des concepts techniques qui peuvent vous brouiller un peu. Donc, allez juste à l'essentiel. Voilà. Pour la méthodologie aussi, qui est un chapitre important aussi, il y a la phase de collecte. Ce sont les méthodes que j'ai évoquées rapidement, mais aussi il y a la phase d'analyse, donc de ces données-là. Je pense que quelqu'un avait posé cette question-là. Il y a aussi un chapitre qui porte effectivement sur la présentation des résultats, sur les discussions, etc. Pour la conclusion, on revient un peu sur l'objet de notre recherche. Les résultats clés, les limites du travail, les perspectives et les recommandations aussi managériales. Voilà aussi, comme je l'avais promis, quelques conseils pratiques. Peut-être que je vais y revenir avant la fin de cette séance. Merci, Président. Merci, Docteur. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, nous attendons les réactions, les questions sur lesquelles nous pouvons y revenir. Merci. OK. Merci beaucoup, Docteur. Donc, peut-être qu'on peut prendre encore 5 à 10 minutes pour boucler cette première séance. Après, chaque mois, nous comptons organiser des séances, mais on espère bien d'ici là que vous allez commencer à nous proposer vos sujets. Donc, comme je dis, vous n'envoyez pas les sujets à l'administration. L'administration ne gère pas ça. Donc, c'est à nous que vous allez envoyer vos sujets de mémoire. Donc, pour ceux qui sont en économie, vous allez contacter le docteur Jean-Baptiste Sambou. Donc, c'est lui l'expert dans la matière. Donc, il va vous aider avec les sujets en économie. Pour ceux qui sont en finance compta et en audit contrôle, aussi en AS, donc là aussi, vous nous contactez. Il y a le docteur Mamadou Sam. Regardez les discussions, j'ai envoyé nos mails. Vous avez Mamadou Sambou plutôt. Vous avez aussi le docteur Moustapha Jong, il y a le docteur Mamadou Sylla en GRH et aussi il y a moi. Donc là, on peut vous encadrer pour tout ce qu'il y a comme GRH, finance compta, audit contrôle. Donc économie, c'est contacter le docteur Jean-Baptiste Sambou. OK, on avait dit, parce que là, je revois les mêmes questions en fait. Donc, pour le choix des encadreurs, comme on a dit, vous avez la possibilité de contacter un autre encadreur dans une autre université. Pour ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour le choix des encadreurs aussi, si vous n'en avez pas, selon votre sujet,
on peut vous orienter vers, voilà, vers un encadreur. Comme je dis, moi, j'encadre plus en audit contrôle. Moustapha Dion encadre plus en comptabilité, management, marketing. Docteur Maurice là encadre en GRH. Jean-Baptiste encadre en économie. Donc, vous voyez. Donc, c'est selon votre domaine qu'on pourrait vous orienter. Ou bien, si vous avez la possibilité d'être encadré par quelqu'un d'autre dans une autre université, parce qu'il n'y a pas, il y a pas pour la P2, là, en fait, il y a un étudiant qui a été encadré par un professeur de l'ESP que je connais bien. Donc, après, l'encadreur nous envoie un mail pour nous dire que c'est lui qui encadre. À la fin aussi, il nous envoie un mail pour nous dire que c'est lui qui a autorisé le dépôt du mémoire de telle personne. Donc, pour ça, il n'y a pas de contrainte à ce niveau. Les soutenants se feront en ligne. Il n'y a pas de certains le font en ligne, etc. Non. Les soutenants se feront en ligne. Maintenant, seulement pour des cas exceptionnels, si la personne est en dehors du Sénégal, que la soutenance se fera en ligne. Mais là, les soutenances se feront en présentiel devant un jury. OK. On peut savoir qui est chargé de l'encadrement au niveau des finances comptables. Vous donc proposez d'abord vos sujets avant de gérer les éléments d'encadrement. Proposez d'abord vos sujets. Réfléchissez, prenez votre temps. D'ici une semaine, peut-être, au grand maximum, vous allez commencer à envoyer vos sujets. 5 à 10 minutes. Voilà. 5 à 10 minutes pour voir s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, nous allons suspendre cette première séance. Et chaque mois, nous allons organiser des séances. Management en collectivité locale, j'en avais parlé. Donc, pour ça, vous vous rapprochez du docteur Momar Seladia. Pour Mamadou Sylla, qui encadre en GRH, c'est Mamadou 1.Sylla. Sylla avec un i et du point SN. Voilà, j'ai partagé les mails pour Mamadou Sylla en GRH. Maintenant, à chaque fois que vous allez envoyer un mail, par exemple, à Sylla, etc., donc aussi, bon, en économie, contactez directement Jean-Baptiste, pas la peine de me mettre en copie. De même en marge, mais pour contacter Mourou, c'est là où vous mettez aussi en copie. C'est nous qui allons choisir nos propres sujets. Oui, c'est à vous de choisir vos propres sujets selon le domaine qui vous intéresse et vous nous proposez pour qu'on puisse vous aider à mieux reformuler puis à valider. Regardez les discussions, j'ai déjà envoyé tous les mails. Donc là, ce sont les mêmes questions qui reviennent. On a déjà envoyé tous les mails. Pour Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste Yannick.Sambo. Mustapha Jong, c'est Mustapha.Jong. Donc regardez les discussions, j'ai envoyé tous les mails. Est-ce qu'on peut être spécialisé en GRH, faire notre mémoire en comptabilité? Oui, donc là, vous pouvez par exemple travailler sur la comptabilité de salaire, par exemple. Donc là, c'est un sujet à la fois en comptabilité et en GRH. Regardez les mails, les discussions en haut, j'ai envoyé tous les. OK, donc apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc déjà, vous avez nos mails. Donc, on peut essayer de discuter par mail, de sorte qu'après, on va trouver les sujets ensemble, de sorte que d'ici la prochaine séance, on pourra maintenant avancer sur le fond rapidement. Parce que le plus important après le choix du sujet, c'est de démarrer le plus rapidement à la rédaction de votre mémoire. Donc, c'est un travail très sérieux, c'est un travail à prendre au sérieux. Si vous nous envoyez quelque chose qu'on sent que le travail n'est pas sérieux, on n'a même plus envie de vous encadrer, en fait.
Et si on n'a pas envie de vous encadrer, voilà. Donc, notre niveau de motivation dépendra également de votre niveau d'implication, de la qualité du travail que vous allez nous envoyer. Faites un usage intelligent de tout ce que vous aurez alors à faire comme recherche. Il y a un minimum de professionnalisme, il y a un minimum de sérieux qu'il faudra avoir une présenter un mémoire de qualité. Moi, si on m'envoie certaines choses avec énormément de fautes mal présentées, vous n'avez respecté ni la forme ni le fond, je regarde même plus. Que ce soit très clair. On encadre énormément d'étudiants, donc on n'a pas le temps de gérer est-ce qu'on a écrit le là correctement, est-ce qu'on a bien justifié, est-ce qu'on a bien cité les auteurs, etc. Non, il y a un minimum de sérieux à faire. Vous m'envoyez un travail d'une qualité médiocre, je sens que la personne n'a fait aucun effort ou bien a attendu à ce qu'on dise qu'il y a telle date pour m'envoyer certains documents. Je classe ça et je ne vais plus vous encadrer, que ce soit très clair. C'est un travail sérieux qu'il faudra faire. Je dis bien, pour collectivité locale, contactez le docteur Mouma Seladjian, qui est également le directeur du pôle. Donc, je vous envoie son mail aussi. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, les collègues, si vous voulez aussi prendre la parole avant qu'on arrête la séance. Avant d'arrêter, docteur, je voulais juste parler aux économistes et dire que je pense que je vais faire bientôt des interventions. Donc, si je reçois pas le cours, parce que j'avais délégué ce cours-là à un collègue, donc externe. Donc, si je reçois pas ce cours-là, attends, je vais faire des interventions comme je l'ai fait avec les autres promotions, ou des interventions en ligne. Donc, avant même cette rencontre, déjà discuté sur les thèmes, j'ai proposé des thèmes de recherche, donc sur le changement climatique, développement durable qui rentre dans votre formation. Donc, sur la prévention des déchets, la préservation des ressources naturelles, la fiscalité comportementale, parce que ça existe sur la taxation, par exemple, de produits polluants, etc. Donc, tous ces éléments-là, on pourra en discuter après. Donc, ce qu'il faudra surtout comprendre sur le point du mémoire, c'est que ce n'est pas un travail facile. Et comme l'a dit tout à l'heure le docteur Babacar Diallo, si vous ne mettez pas du sérieux, vous allez faire 2 ans avant de terminer votre mémoire. Vous allez faire 2 ans avant de terminer votre mémoire. Donc, il faut y mettre du sérieux. Un mémoire demande beaucoup de concentration. Et avant même d'engager le travail de rédaction, en réalité, il faut connaître la méthodologie. Qu'il s'agisse des étudiants de la P3 ou P4 en économie, j'ai un drive déjà bien déterminé où je mets des documents, c'est-à-dire des documents sur la méthode de recherche, des exemples de projets de recherche, d'autres documents sur la recherche appliquée en économie que je partage généralement à l'ensemble des étudiants qui ont déjà un sujet. Donc, généralement, quand vous avez un thème de recherche, je vous mets dans le drive. Vous avez la possibilité de consulter l'ensemble des documents que je mets pour la recherche, les fiches de lecture, etc. Donc, à vous maintenant de bien exploiter, bien lire. Et je le dis, quand je dis bien exploiter, bien lire, si vous ne lisez pas bien la méthodologie, tous les documents qu'on vous donne, méthodologie de rédaction d'un mémoire, comment rédiger un mémoire, comment faire une problématique, etc. Si vous pensez que c'est un travail facile, que vous pouvez faire en 2 jours, 3 jours et nous l'envoyer, les gens ne vont pas vous répondre. Et comme l'a dit le docteur Babacar Diagne, on gère plusieurs trucs en même temps. Donc, plusieurs étudiants. Donc, si vous ne faites pas du sérieux dans le travail de projet de recherche que vous proposez à l'enseignant, donc vous allez le fatiguer dans la lecture. Vous allez le fatiguer dans la lecture et il n'aura pas le temps. Donc, ce qu'il faudra faire, il faut bien se concentrer pour comprendre la méthodologie. Qu'est-ce qu'on me demande? Et là, il faut exploiter les premiers documents qu'on vous offre en plus des cours. Des interventions qu'on va faire en ligne, il faut exploiter les premiers documents qu'on vous donne qui vont compléter nos différentes interventions. Et vous allez voir, surtout ceux d'économie, je donne un plan général, comment on fait un mémoire généralement, quels sont les éléments requis pour faire un mémoire
au niveau de l'IVS. Donc, vous aurez tous ces documents-là, j'ai tout mis, donc par rapport au Canova, etc. Et vous aurez également, qu'est-ce qui est demandé pour une recherche en économie? Qu'est-ce qui est demandé pour une recherche en économie? Au fur et à mesure, maintenant, si vous lisez, on pourra revenir sur certains points pour appuyer et vous aider là-dessus. Mais ne vous attendez pas qu'on écrive votre mémoire en place. Et il ne faut pas, par exemple, écrire tout simplement une page et nous l'envoyer, nous demander de lire. Les gens n'ont pas le temps. On n'aura pas le temps de corriger par page par page. Donc, à vous de voir comment bien rédiger, présenter un document qui peut attirer l'attention d'un enseignant avant de nous l'envoyer. Et ça, il faut respecter les normes d'écriture et critères d'écriture. Et je pense que dans les prochaines interventions, on va y revenir pour vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire dans un mémoire de recherche. Donc, c'était juste sur ce point que je voulais revenir. Merci, Président, pour l'initiative et merci, Dr. Diong, pour la très belle présentation. OK, merci beaucoup, Dr. Sambo. Donc, Dr. Moustapha Diong, pour conclure. Bon, apparemment, lui aussi, il est très pris aussi aujourd'hui. OK. Bon, je commence à recevoir des mails pour me dire merci de m'aider pour le choix des sujets. Comme on a dit, ce n'est pas à nous de proposer des sujets. Alors, docteur, vous me recevez? Allô? C'est bon, oui. C'est bon, vas-y. Voilà, c'est bon. Vous étiez un peu au niveau, je pense, des conclusions, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. OK, bon, je suis là. Par rapport aux questions, est-ce qu'il y a quelques interpellations à mon niveau? Oui, en fait, oui. Bon, il y avait des questions, mais bon, j'ai répondu sur le chat. Oui. Donc, peut-être que, bon, comme j'ai dit, en fait, on va essayer d'organiser une séance chaque mois. Et d'ici là, puisque j'ai partagé nos mails, les étudiants peuvent nous contacter. Mmh. Ça, et puis, bon, d'ici là, on va essayer d'avancer sur les sujets. Et puis voilà, je suis entièrement d'accord parce qu'en fait, déjà, même le PowerPoint que je présente, c'est presque 34 slides. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses à dire. Normalement, parler de la revue de la littérature peut prendre presque une journée ou une journée de travail, 4 ou 5 heures en tout cas. Maintenant, je pense que cette séance, c'est juste les préparer, les donner une idée sur quoi on attend d'eux. Mm-hmm. Maintenant, après, on peut affiner, développer, aller au détail, par exemple, la méthodologie. Mm-hmm. Juste pour parler de la méthodologie qualitative, ça peut prendre beaucoup de temps. Mm-hmm. Avec les différents outils qui sont disponibles, que les étudiants peuvent en profiter. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, en tout cas, d'avoir initié cette rencontre. Pour faire un peu le tour, mais là, nous restons un peu suivis des globalités. Et maintenant, des séances spécifiques peuvent être organisées pratiquement tous les mois ou tous les 15 jours pour parler de manière spécifique sur un point. Par exemple, on peut prendre une séance juste pour parler sur la problématique. Comment choisir sa problématique, donner des exemples de problématiques et comment formuler une question de recherche. Prendre une séance de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, parler sur la revue de la littérature. Faire pareillement sur les résultats et les discussions. Maintenant, je vais partager le PowerPoint. Et là, aussi, comme Dr. Diel l'a dit, Dr. Sam, nous restons ouverts. Si un étudiant a un sujet ou bien veut travailler sur un thème, peut nous interpeller. Voilà, maintenant, c'est vrai que nous sommes hyper chargés parfois. N'hésitez pas à renvoyer le mail si nécessaire, mais je sais que les collègues seront toujours là à vous accompagner parce que si nous tenons vraiment à votre réussite, parce que si c'est notre devoir de vous accompagner et nous allons le faire dans les meilleures conditions. Voilà un peu de tout sur quoi je voulais me prononcer. Nous restons ouverts à travers nos mails pour ceux qui souhaitent nous interpeller. Merci. OK, donc merci beaucoup, docteur. Docteur John. Donc là, l'intérêt. D'ici la prochaine. Début février, au plus tard mi-février,
essayez d'abord d'avoir un sujet. Et vos sujets, nous allons reformuler, vous valider déjà votre sujet. Et à partir de là également, on vous montrera donc un travail que vous avez porté sur un Safa Jong, le micro. Voilà. Donc aussi un travail le contexte, la thématique, objectif, intérêt, intérêt et pertinence. Donc, vous avez l'objectif. En fait, c'est le mail de Moustapha Dian qu'il fallait désactiver. OK. Donc, on peut continuer nos échanges par mail. Après, voilà, d'ici la prochaine séance, en mi-février au plus tard. Donc, merci à vous et n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Merci à vous et bonne journée. Merci, Président. Merci à tous les collègues. Merci aussi à l'équipe technique hein, qui nous a accompagnés pour la réussite de cette séance. Merci à tous les étudiantes. Merci à tous les étudiants. Bien à vous et très bonne journée. Oui, merci à l'équipe multimédia qui nous a accompagnés. Donc, vraiment, nous vous remercions. Et également, nous remercions tous les étudiants et nous vous exhortons à vous lancer directement avec sérieux et nous vous encourageons pour, voilà, pour terminer votre master parce que pour valider le master, il faut le mémoire et le mémoire, c'est un travail sérieux. Donc, tous nos encouragements pour vous et merci à tout le monde. Merci aux collègues pour leurs interventions. Excellente journée à tous. Oui, merci beaucoup encore pour le service multimédia. Donc, merci beaucoup, M. Issa Ba, Madame May, donc pour tout le service multimédia. Merci, merci, merci à vous pour l'appui. Et bon courage pour les étudiants. Donc, nous attendons vos mails. Merci à vous et bonne journée.